Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, histoire sans fin, avec Sam toujours. C'est ça. Bah, il y a eu une fin ces deux dernières semaines, vu que moi je... T'es parti en vacances? Oui, j'ai fait 10 jours à Londres. Et après, oui, je me suis quand même remis aux choses sérieuses en rentrant. Mais Ouais. du coup, ça m'a un peu, j'ai un peu manqué de temps pour les vidéos. Gageons que ça change à l'avenir. Oui. Mais voilà, donc là, on reprend un cours. Alors, j'allais dire presque normal, mais après. Presque normal, puisque en fait, moi là, c'est moi qui pars en vacances la C'est semaine ça. prochaine. Je pars au Japon, donc. Voilà, donc vous aurez le plaisir de m'avoir en solo, ou peut-être pas d'ailleurs m'appuyer en solo pour les prochaines, pour le mois d'août. Exactement. Exactement. Sur cette entrefaite, entrefesse, que vous fassiez les liaisons ou pas, aujourd'hui le sujet c'est la lumière des lumières, le patch qui lui est consacré, Ashara, qui t'a Ouais. transformé en Bigorno la semaine dernière. Qui m'a transformé en bigorneau, oui, Enfin, effectivement. mardi dernier d'ailleurs. Exactement. Comme vous le savez, c'est le progress. Elle n'est pas encore tombée. Hein. C'est à qui mieux mieux entre limite et méthode pour savoir qui va avoir sa tête. À moins qu'il y ait une autre surprise sur la Voilà, à guilde moins qu'il y ait derrière. d'autres surprises, parce qu'il y a aussi une guilde coréenne, une guilde chinoise qui sont dessus Bah, et tant que c'est des Européens, ça qui sont va. pas mal d'ailleurs, je crois, 51 et 58% à l'heure où on enregistre la vidéo en tout cas. Très bien. Bon, écoute, oublions l'Amérique, oublions l'Asie. Seul le vieux continent doit primer. Donc, bonne chance à méthode. Bonne chance à méthode, Voilà. à Pisces et à Version. Ouais. Méthode. Voilà, aux guildes françaises d'ailleurs, hein, même si elles sont, a priori il n'y en a Oui. aucune dans les 10 Non, premiers là, aucune pour l'instant. mais voilà, ne soyons pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ou d'une bonne Une surprise, bonne pardon. surprise Oui, plutôt. plutôt. Double négation, c'est toujours compliqué. Donc, patch 8.2, il y a eu pas mal de cinématiques. On a eu la cinématique de l'avènement d'Ashara qui Oui. lance le patch. On a eu les événements du patch avec la zone de Nazjatar, je laisse Mekagon de côté. Et on a eu le raid du Palais Éternel et la cinématique de fin du combat Du d'Ashara combat d'Ashara. qui ouvre sur le prochain, enfin, sur la suite de Battle for Azeroth. Et c'est de tout ça qu'on va traiter aujourd'hui, tout ce qu'il y a autour des Nagas, d'Ashara et du patch 8.2, cinématique ou contenu. Qu'est-ce qu'il y Ce a... qui nous manque peut-être, c'est juste la phase cachée du combat mythique qu'on n'a pas. Peut-être. Donc il y aura peut-être plus d'infos à ce moment, on Ouais, verra. c'est Évidemment, ça. ça tombera genre 10 minutes après la fin de l'enregistrement de la C'est vidéo. sûr. C'est toujours comme ça. En tout cas, la cinématique de fin, elle, était très attendue puisqu'elle devait nous apprendre plus sur la suite de l'histoire. C'est Yann Azikostas qui avait dit dans les interviews autour de la sortie du patch que, une fois qu'on aurait vu cette cinématique, l'identité du boss de fin d'extension ne ferait plus trop de doutes. Bon, en même Alors, temps. oui, bon. Bah, alors, c'est pas si évident que ça. Même si, bon, après, on peut le prendre au mot et dire effectivement, on va prendre la piste la plus évidente. En tout cas, la vidéo est aussi intéressante parce qu'elle va nous permettre de continuer à naviguer à vue, vu que tout est encore envisageable pour la suite, que ce Joli soit jeu de mots. l'extension ou actuelle ou les prochaines. Donc, et ça, c'est la première fois que ça arrive, je crois. Où, Oui. enfin, il y avait peut-être avant Warlord of Draenor, on avait d'autres idées, mais on n'avait vraiment pas vu venir Wood. Donc on va voir ensemble tout ce que ça contient. Pour cette vidéo, je me suis beaucoup aidé de pas mal d'articles de Oued qui ont fait... Alors je vous renvoie aux articles, si vous êtes familier avec l'anglais, je vous renvoie aux gros articles de l'or de Oued Ouais, ils sont très bien faits. qui sont très très bien faits. Et donc là, je reprends pas mal de propos et de théories qui ont été tenus dans ces articles-là, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, je crois qu'il y a presque une dizaine de gros articles autour de tout ce Oui. qu'il y a sur la 8.2 des Nagas et de tout un tas d'éléments. Donc je vous invite à les lire. Voilà. Et puis comme je n'ai pas malheureusement pas assez joué au patch, j'ai dû aussi me référer à Oued, parce que c'est pas le patch qui m'a fait le plus fait rêver, celui-là. T'inquiète pas, moi j'y ai joué, je pourrais compléter si jamais. Eh ben c'est parfait. Alors oui, mais j'aurais peut-être dû mettre ça déjà à la base, mais c'est pas grave. Alors, l'avènement d'Ashara, bah, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui me fait? Ça commence bien. T'as tout cassé. Voilà, tu vois. Voilà, on reprend. Et voilà. Voilà, super. Alors, bah déjà, juste un petit point rapide, comment on en est arrivé là. Donc, je vous rappelle, Battle for Azeroth, c'est la guerre du sang. Hein, c'est le nom officiel de ce conflit qui oppose l'Alliance et la Horde pour s'emparer de l'Azérite, qui est le sang cristallisé d'Azeroth, qui est la source d'une très grande puissance et d'un très grand pouvoir.
Alors on peut en faire soit des trucs sympas comme de la magie, faire des nœuds dans des foulards, souffler, faire disparaître les nœuds, ou aider le monde, ou on peut en faire comme le voudraient certains prix Nobel de la paix à la tête de la Horde, faire la guerre et tuer des gens et créer des armes de destruction massive avec. Alors, il n'y a pas que la Horde d'ailleurs qui a fait ça, l'Alliance aussi, hein. Les gnomes, dès qu'ils ont vu ça, ils ont fait des bombes. Hein. Ah non, c'est pas le genre des gnomes de faire Donc, des non, morts. mais tu vois, c'est incroyable parce qu'on se dit, il y a quand même le. C'est un petit aparté, mais c'est quand même important. La Horde ou l'Alliance, en fait, est vraiment très calquée en fait, sur notre civilisation, en fait. Non, les êtres humains sont bons. On trouve le sang de la planète, on sait que c'est le sang de la planète quand même. On se dit, c'est une puissance inimaginable d'énergie et de quasi illimité d'énergie et de puissance. Qu'est-ce qu'on va en faire? Des armes. Des armes. Bah, c'est l'intérêt. Logique. Regarde l'énergie Mako dans Final Fantasy. Ah non, c'est pas la réalité. Bah oui, non mais tu vois, c'est quand même incroyable, hein. Non, mais ça sort. Et de toute façon, s'il y avait une quelconque urgence écologique et qu'au lieu de s'en préoccuper, on était sur des considérations beaucoup plus militaires. Bah oui, voilà. Bon, fermons cette digression. Donc voilà, les deux factions sont opposées et chacune va se trouver des alliés à Kul Tiras et en Zandalar. Et finalement, tout ça va aboutir aux premiers événements qui vont prendre place en Zandalar avec la lutte contre le dieu, alors un simili-dieu très ancien qui est Goon, Oui. qui a une expérience qui a créé un genre de dieu très ancien. Qu'on oubliera très vite parce que finalement. Voilà, voilà, qui est aussitôt arrivé, aussitôt oublié, et qui lui a pris place sur un fond de guerre civile et de tentative de coup d'État à Zandalar, qui n'aura pas fonctionné du côté de la Horde, enfin du côté des trolls Zandalari, puisque la Horde les aura aidés. Je vous renvoie à l'histoire de Rastakhan ou des trolls Zandalari si vous voulez plus de détails. Du côté de l'Alliance et de ses futurs, enfin de ses des anciens futurs alliés de Kul Tiras, c'était pas mieux, puisqu'évidemment, il y avait beaucoup de. Alors là, il y avait une situation assez compliquée, puisque il y avait des maisons nobles ou rivales, ou qui avaient disparu, ou qui manigançaient des choses étranges. Game of Thrones. Et voilà, il y avait du Game of Thrones. Notamment la maison Corsandre, dirigée par Priscilla Corsandre, qui dirigeait une compagnie maritime qui fabrique également des armements, dont des armements à l'azérite, et qui, comme le prophète Zul, était elle-même alliée à la reine Ashara pour s'emparer du pouvoir. Donc Ashara plaçait ses pions sur ces deux continents, et ça tombe bien, c'était un nouveau continent C'est là où d'expansion. on allait, comme par hasard. C'est bien foutu. Ouais, franchement, c'est bien foutu. Et ensuite, du coup, on a découvert les nouvelles zones de chacun des. Enfin, avant, on avait découvert les nouvelles zones de chacun des continents. Le second raid, ça a été le Creuset des Tempêtes, dont on a appris que c'était final. Alors, qui se trouve sous le temple en forme de tête de pieuvre à la vallée de Chantorage, et dont on aura appris que les galeries et couloirs qu'on arpentait en sous-sol pour affronter des serviteurs des dieux très anciens étaient une extension et un morceau de Nisoth lui-même. Donc, et c'est d'ailleurs là. Alors qu'on croisera un morceau de Nisoth, un œil notamment, qui nous parle, et visiblement on se balade dans ce qui est un de ses boyaux, Il paraît. ou alors des sécrétions Oui, bon. qui suppurent à travers la roche. Hein. Notre C'est terre, notre force, comme toujours, disait toujours, Elginoth, toujours glamour, hein. c'est toujours glamour. Et là, Nisoth nous mettait à l'épreuve, comme Odin jadis, pour voir si on était digne, si on était digne et qu'on avait la force qu'il fallait. Alors la force pourquoi? Très probablement pour la suite des événements, qui est ce qu'on va voir maintenant, à savoir l'avènement d'Ashara, puisque comme vous n'êtes pas sans le savoir, depuis le début de l'été, il y a eu un nouveau patch qui est sorti, la 8.2 est déjà. Et Il était temps. qui était temps, qui nous amène entre autres au large de Kul Tiras et d'une île qui s'appelle Mécagone. Alors, si vous aimez les délires gnomiques et mécaniques, c'est les inventions, c'est fait pour vous. Mais sinon, si vous préférez les nagas, la suite de l'intrigue générale, et si vous aimez Ashara, c'est plutôt la partie de Nas Jatar qui va vous intéresser. Peut-être qu'elle vous décevra un peu, on en parlera après. Mais en tout cas, voilà, là c'était un gros morceau qui était attendu depuis longtemps. Nas Jatar, les nagas. Oui. Et tout ce qui devait arriver, Tout ce qu'il y et avait sous l'eau, en fait. voilà tout ce qu'il y avait sous l'eau, et on a eu cette zone alors qui n'est pas sous-marine pour des raisons de gameplay, mais qui est parce que les joueurs détestent le déplacement sous l'eau tridimensionnel, et qui finalement est par une histoire de plot scénaristique, Ashara a récupéré la pierre des marées et a écarté les flots pour laisser la zone à l'air libre, comme c'est pratique, Oui. et elle va laisser les flots écartés jusqu'à ce qu'on la divertisse assez, alors qu'en fait, elle a un grand méchant piège qu'elle va nous tendre. D'ailleurs, je vous le dis, il y aura plein de spoilers sur, enfin,
ça commence à plus trop être connu, mais sachez-le, il y aura des spoilers dans cette vidéo. Donc elle nous tend un piège, elle nous fait venir à Nas Jatar, à l'air libre, et en menaçant de faire refermer les flots sur nous, grâce à la pierre des marées qu'elle a volée, enfin, qu'elle a fait voler à la tombe de Sargeras. Exactement. Alors, et tout ça commence avec une cinématique. Et c'est la cinématique où on voit Nathanos, un navigateur de la Horde avec Nathanos et Lorthe Martheron, qui naviguent guidés par ce qui reste de la lame de l'Empire Noir, qu'on appelait jadis Xalatat. Xalatat. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié Xalatat, j'ai oublié d'en parler. Au creuset des tempêtes, Qu'on a finalement, récupéré, voilà. ouais. Xalatat, qui était l'arme prodigieuse des prêtres ombres, qui a été récupérée, qu'on finalement on remet la main dessus. Et on va l'amener au creuset des tempêtes où, après toute une suite de quêtes, on libère Xalatat de la lame de l'Empire Noir. Donc elle apparaît sous la forme d'une elfe du vide. Alors c'est une skin temporaire, j'imagine. Et l'entité qui était enfermée dans la lame finalement s'enfuit et Nisot lui demande à récupérer la lame. Et cette lame va être récupérée finalement par Sylvanas. Alors comment Sylvanas a récupéré Xalatat et comment elle a pris son existence? Peut-être que c'est enfin ces joueurs de la Horde qui l'auront trouvé, qui lui ont ramené. Et peut-être que Priscilla Corsandre, qui a frayé avec Sylvanas quelque temps entre les patchs, peut-être que Priscilla Corsandre, qui bosse pour Ashara, lui aura aussi dit et a attiré son attention sur la lame, sur les murmures qui en émanent. Oui. Et voilà, même si c'est plus notre cher Xalatat qui est dedans. Et donc, Sylvanas confie la lame à Nathanos. Nathanos qui est devant et qui va se servir de la lame comme boussole, poursuivi qu'il sera par l'Alliance. Et donc, le navire. Alors, je décris, après, je fais le décryptage. Donc, ils sont poursuivis par une armada de vaisseaux de l'Alliance qui, elle, n'a qu'une hâte, c'est de mettre la main sur quelques vaisseaux de la Horde, où Nathanos se trouve à l'intérieur pour lui régler son compte une bonne fois Barbare. pour toutes. Barbare, menée par Ghen Ghristet. Jaina aussi, qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais Oui. Jaina est là. Et Et alors, là, il n'y a que 4 navires de la Horde. voilà, pour beaucoup plus de l'Alliance. Alors, il n'y a pas toute la flotte de l'Alliance, je peux imaginer, mais il y en a quand même pas mal. Mais c'est parce qu'en fait, l'Alliance a saboté les navires de Zul'Dazar Ouais. lors de l'attaque de Dazar'alor, qui a permis de. Enfin, un peu avant d'ailleurs, mais qui a fait exploser après à Dazar'alor, Voilà. pour, Avant le raid. avant le raid, pour empêcher justement la plus grande flotte d'Azeroth. Enfin, pas la plus grande, mais de concurrence, en tout cas, la flotte de Kul Tiras. Oui, Voilà. elle était quand même assez solide, hein, la flotte de Zandalar. On la voit quand on arrive Ouais. d'ailleurs sur. Ouais, c'est bon, c'est trois canaux. Du coup, il reste plus que 4 navires, quoi. C'est ça. Dont le navire de la reine. Alors peut-être pas que ces quatre-là, mais bon, en tout cas, voilà, la flotte Zandalari est mal, mo moins mal que le roi Rastakhan, en tout cas, qui est passé l'arme à gauche, d'ailleurs. Donc il y a cette course-poursuite dans la cinématique qui commence au début de l'océan, avant qu'on ne passe sous les flots, et qu'on croise Polochon et Sébastien, qui sont en train de chanter autour du palais éternel d'Ashara, qui est le domaine, qui est le palais où réside la lumière des lumières, au fond de l'océan, et où sa serviteur, pardon, alors j'ai toujours un doute sur son Zarissa, lui informe que alors nous, l'Alliance et la Horde sommes arrivés pendant qu'Ashara, du haut de son trône, devant un miroir d'eau, contemple son propre reflet alors c'est une mention spéciale à la doubleuse. Alors la doubleuse française est très bien, mais la doubleuse anglaise est encore mieux parce Ouais. que elle arrive à faire transparaître tout le caractère d'Ashara dans la voix et Exactement, c'est absolument génial, elle a ce côté un peu lascif, amusé, et extrêmement vaniteux qui transparaît à chacune de ses répliques. Elle a, oh, magnifique, 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 parce que tout se met en place et elle dit à Zarissa, place la pierre des marées, veux-tu? Et là, très satisfaite de ce qu'elle est en train d'accomplir. Et à ce moment, alors vous notez d'ailleurs qu'on ne voit que son reflet pour l'instant, là on commence à la voir Ouais. elle-même. En gros plan, pour l'avoir détourné la tête et se retourner, et là apparaissent des vrilles de fumée, dont on sait que c'est Nisot qui se manifeste auprès de la reine, Nisot qui a passé un pacte avec elle, on en fera un rappel tout à l'heure, et Ashara le tense et le nargue un peu en lui disant: Alors, on se sent inquiet, quelle frustration cela doit être pour toi, si impuissant, à l'écart de tout pour l'instant, ne t'en fais pas, le moment que nous attendions tant est venu. Et là, Nisot va pour essayer de l'attraper ou de la toucher, elle le repousse de la main à ce moment, ce qui en dit long quand même sur la manière dont leur relation a évolué. Mais on en parle après. Oui. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Et là, focus sur Zarissa qui, elle, à l'extérieur du palais, amène la pierre des marais
sur une plateforme qui est devant, et elle lui dit, tu es sur le point de voir ce que je fais le mieux. Alors ça rendait mieux en anglais, je sais plus ce qu'elle Ouais. disait, mais je crois, je crois qu'on aurait pu le traduire par mon chef-d'œuvre, ou ça aurait été plus... Là, la phrase sonne un peu bizarre en fait. Oui, ce que je fais le mieux, c'est un peu bizarre, Ouais, quoi. Hein. ce que j'ai fait de mieux à la rigueur, Ouais, mais parce que ça... ce que je fais le mieux, ça fait genre. Oui. Moi, je pense, j'ouvre les mers en deux, c'est ce que je fais le mieux dans la vie, c'est mon métier, C'est ça. c'est ma profession. Elle aurait eu une belle carrière dans l'Ancien Testament, cette Ouais, femme. c'est clair. Et donc la pierre des marais est placée, et là le sort va être déclenché. Une colonne de lumière va être, ou d'énergie arcanique va être déclenchée et va jaillir à la surface. Là, vous remarquez Nathanos qui ne semble absolument pas surpris du tout. Il a même un léger rictus qui se dessine sur son visage. Et alors que Gaine-Gristet, les gens de l'Alliance, Ils Lorthémar probablement, savent pas ce qui se passe, eux, hein, voilà, toujours, hein, ils savent toujours. toujours. Bah, surtout vu ce qui est en train de se passer là. Et donc vous avez ce gigantesque trou d'air qui est ouvert dans l'eau. La horde est Ah, déjà engloutie. la Horde, a déjà plongé. Et là, les navires de l'Alliance s'apprêtent à faire de même. Hissez les voiles, hissez les voiles. Santillano, hissez haut. C'est pas la mer qui prend l'homme, C'est la mer. etc. Nous sommes C'est l'homme qui perdus. prend 1, la 2, 3, mer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y a une grosse vingtaine de vaisseaux quand même qui s'apprêtent à tomber. Et ils vont tomber de haut. Et là, Gristed se relève. Et on a la même scène miroir avec Lorthémar. Et complètement halluciné par ce qu'il voit, ils entendent la voix d'Azshara leur souhaiter la bienvenue à Nath'Shatar. Exactement. Et du côté de la Horde aussi, on a l'arcaniste. Talisra. C'est pas Talisra, c'est l'autre. Le Tellurette, je crois. Ah, Oculette. Oculette, Ah, pardon. j'aime beaucoup Je crois qu'il y a Oculette. Oculette du côté de la Horde. Je suis plus très sûr, mais je sais qu'il y a un elfe du Saramar en tout cas qui est là. Ouais, Pour nous faire il passer. y a Oculette, et puis Talisra, on la retrouve Ouais. après. Donc voilà, Oui, Talisra, on la retrouve après. c'était la description. Décryptons un peu tout ça. Alors, bah, évidemment, c'est Azshara qui est au centre de la cinématique, donc son attitude. Et c'est très intéressant de faire un parallèle avec tout ce qu'on voyait dans Prémisse, parce que vous voyez que, bah, d'une part, bon, là, elle est là dans toute sa splendeur. Elle a vraiment, je vais pas dire, elle a repris du poil de la bête, parce que c'est il y a 10 000 ans et on l'a vu entre-temps, mais elle est quand même au fait de sa puissance. Elle a eu beaucoup de marge de manœuvre en plus pendant qu'on combattait toutes les menaces qui pouvaient se profiler à la surface ou sur d'autres planètes d'ailleurs. Et elle est là. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que là, enfin, on voit toujours son reflet, on la voit toujours satisfaite. Par exemple, la seule fois où on voyait son reflet dans Prémisse, c'est son reflet dans l'immensité de l'œil de Nisot où apparaissait rien. Là, c'est elle qui contemple son propre reflet, qui contemple son œuvre et qui contemple ce qu'elle a accompli. Et elle est là tout en satisfaction, tout en vanité, tout en orgueil, sans trop le montrer. Et elle est là à vanter ses mérites. On voit d'ailleurs que là, elle est tellement fière que elle semble s'auto-congratuler elle-même, et elle fait rêver Nisot. Et son rapport avec Nisot, là, est complètement inversé. On la voit aussi en reine avec ses servants comme Zarissa, qui elle dit de placer la pierre, mais elle n'est pas autoritaire et cassante, elle ne la prend pas comme un larbin. Et elle lui dit, je crois, va placer la pierre, veux-tu? Oui, c'est ça, c'est. Voilà, et donc voilà, donc les choses se mettent comme ça. C'est surtout la relation entre Nisot et Ashtara qui est très intéressante, puisque là, on est vraiment, là, les choses ont vraiment évolué. Elle lui jette à peine un regard, comme vous le voyez, hein, détourne à peine la tête pour le regarder de loin. Et la tension qui était palpable entre les deux dans Prémisse, et qui s'était terminée avec un fort sous-entendu qui est que Nisot a éclipsé Ashtara. Avec le corps d'Ashara qu'on voyait fragile, flottant, minuscule au milieu de l'œil géant vers la fin de la cinématique. Parce qu'elle avait essayé de faire la maline, enfin, avec Nisot, il lui avait dit non mais je te laisse là, il n'y a pas de souci. Elle aussi avait essayé elle lui Ouais. dit tu peux rester tout seul, un dieu de rien du tout Ouais. et du néant. Bah, finalement, ces deux alliés de circonstance. Et là, Nisot n'est plus, alors, n'est plus juste un poisson, ni Ni une un vision œil. du passé qui est un dieu très ancien, gigantesque. Là, c'est juste une vrille de fumigène qui va tenter de s'éloigner autour d'Ashara avant de s'éloigner sans pouvoir la toucher. Et elle semble avoir le dessus, elle domine la fumée. Elle va taquiner Nisot en le traitant d'anxieux, de frustré. Elle va le railler en disant, ah, mais t'es toujours aussi enfermé, si impuissant. Et ça rappelle justement ce qu'elle lui disait dans Warbringers. Elle souligne, la cinématique souligne également combien sa confiance en elle-même a grandi quand même depuis là, où dans Warbringer, on la voyait quand même très paniquée, pleine de doutes, souffrant, etc. Là, c'est vraiment tout l'opposé.
Et d'ailleurs, la caméra a souvent le visage cadré sur Ashara dans le visage d'Ashara est souvent cadré dans l'épisode de prémisse qui lui était consacré. Et au fur et à mesure qu'on voit ses différentes émotions, la traversée, et là, ses peurs, ses frustrations, c'est la douleur. Et tandis qu'ici, ça va être une gracieuse expression qui s'estompe à peine qui pourra adopter une attitude d'ennui quand Nisot vient presque. Il a l'air de la faire chier quasiment. Et laissez-moi. Oui, voilà, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Et vraiment, le signe le plus fort de la nouvelle dynamique qu'il y a entre Ashara et Nisot, c'est ce que je soulignais au début, c'est le fait que Nisot s'approche et qu'elle le repousse d'un geste de la main, d'ailleurs sans rien affecter. Hein. Elle a presque l'air souriante, en mode chut, ça va bien se passer, Ouais. à moins qu'elle n'utilise de la magie pour le repousser, mais sans qu'on en ait conscience en tout cas. Alors que justement, quand Après, Nisot. Nisot n'est pas au plein de sa puissance aussi, il est pas encore emprisonné. Il est encore emprisonné, il se libère de plus en plus, mais là, il est presque trop faible par rapport au reste. C'est ça. Et alors que si on met ça en parallèle avec ce qui se passait dans Prémisse, quand Nisot a approché sous forme de poisson, elle tendait sa main presque hésitante, et là, elle l'envoie carrément péter. Alors qu'Ashara, elle, alterne entre les railleries et le réconfort, elle lui dit, mais enfin, tu vas voir ce que je fais de mieux. Alors qu'est-ce qu'elle a fait de mieux quand même? Qu'est-ce qu'elle a fait de mieux? Voilà, à part écarter les flots. Ashara, donc elle complote depuis des millénaires pour favoriser sa mission, c'est de favoriser la réémergence de l'Empire Noir et de Nissot. Oui, c'est pour ça qu'elle a été sauvée par Exactement, Nisot. en condamnant son peuple au passage d'ailleurs. Alors je vous renvoie aux différentes histoires d'Ashara qu'on a pu faire. Et au fur et à mesure des siècles et des millénaires, Ashara s'est bâti un empire Naga, qu'elle a fait prospérer sous les flots. Dont l'influence est étendue sur, je ne sais pas, les sept mers, là, ça doit être les trois ou quatre mers, Ouais. enfin, sous les mers et les océans d'Azeroth, qui est parcourue par des brutes Naga, par des guerriers Naga, des sorcières Naga, par toute la machine de guerre Naga qui est à son service pour étendre sa puissance, et qui ne fait pas que rester sous l'eau, puisqu'elle va également sous les côtes ou au-delà parfois, même jusque en Outre-Terre, un autre monde, et elle n'est pas restée inactive. Elle n'a pas fait que d'ailleurs étendre son emprise territoriale, puisque Ashara a également interféré dans les affaires des mortels, entre guillemets. Alors elle est immortelle déjà, et puis c'est sans doute un des êtres les plus puissants qui ait jamais existé. Ashara, je vous le rappelle, quand la Légion Ardente essaye d'envahir Azeroth la première fois, Manoroth qui s'apprête à lui latter la gueule s'arrête au dernier moment parce qu'il se rend compte qu'Ashara est aussi puissante qu'Archimonde et qu'Il Jaeden. Et donc il retient son coup. Et c'est vraiment quelqu'un qui d'ailleurs connaît sa puissance et en fait usage pour séduire les gens aussi. Et pas que pour. Elle est rarement dans les démonstrations de force, Ashara. Elle est plutôt dans. Elle arrive à vous faire ce que vous voulez obtenir, mais c'est un peu ce Elle est qu'on très a. dans la manipulation en fait. Elle manipule comme elle l'a fait avec Zul ou Corsandre pour prendre des exemples récents, comme on l'a vu à Cataclysme ou avec Neptulon, elle voulait s'emparer du pouvoir de Neptulon et du trône des marées. Elle est également quelqu'un qui, de toute façon, a intrigué à droite, à gauche et a envoyé ses troupes pour semer la discorde et les ferments de la division. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, depuis des millénaires, œuvre pour les dieux très anciens, œuvre pour sa propre gloire, son propre pouvoir. Ashara est une créature qui est éminemment attirée par le pouvoir. Mais ça, elle n'oublie pas que, comme disait Qu'il Jaeden à Gul'dan dans le roman dans la nouvelle La Tombe de Sargeras, nous servons tous un maître, et Ashara y compris. En tout cas, tout ce qui se passe là est l'aboutissement d'un piège qui est depuis longtemps tendu par Ashara, qui est de nous attirer à la prison de Nisot. Pour que, et là, bon, je spoil la fin, hein, mais je le dis maintenant, pour que nos cœurs d'Azeroth, donc les babioles que Magni nous a mis autour du cou pour qu'on ait l'air de gros rappeurs bling-bling, pour que les cœurs d'Azeroth puissent être utilisés pour détruire les chaînes qui emprisonnent Nisot. Et en fait, depuis le début, on se croit les héros d'un monde en péril, mais ce faisant, nous tombons dans le piège d'Ashara. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'elle va dire dans son combat à la fin, quand les cœurs d'Azeroth sont en train d'être vidés de leur puissance, pendant qu'on l'affronte. Et qu'on est en train de comprendre ce qui se passe face à nos cœurs d'Azeroth gorgés d'Azérides qui sont en train de. Littéralement gorgé d'Azérides, hein, parce Ouais, en plus, et pas qu'un peu. Hein, que c'est ça. Alors, je sais pas si d'ailleurs, canoniquement, il y a un cœur d'Azeroth ou il y en a plusieurs, mais. Ah oui, ça c'est intéressant ça de savoir ça. Alors, je crois. Bon, Ça paraît dites-le être... en En fait, ça paraît commentaire. très logique qu'il y en ait plusieurs pour libérer les chaînes, parce qu'un cœur, ça fait un peu léger, quoi. Et vu que c'est censé être les aventuriers
Les aventuriers existent, donc. Mais il n'y en a qu'un. Autant un cœur d'Azeroth qu'il y en ait plusieurs qui se remplissent, oui, mais toutes les quêtes de Magni, c'est un peu Ah qu'il oui. les répète. Donc voilà. Bon, si vous avez des. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je n'oublie pas que j'ai plein de mois de commentaires de retard à faire. Et ce qu'Ashera nous dit, c'est le cœur d'un titan, c'est exactement ce qu'il me fallait, non pas pour soigner le monde, mais pour briser la prison d'un dieu. Et là, le piège se referme. En fait, Ashera, comme on le sait, depuis le début, intrigue. Et ça, j'ai pas noté la citation, mais elle dit quelque chose comme, mais vous ne le comprenez pas, le moindre de vos gestes, la moindre de vos actions, le moindre des faits n'a été que. Parce que je l'ai voulu, parce que Oui. je l'ai désiré, et ce que vous avez fait en fait, ce n'est pas sauver le monde comme cet idiot de nain le voulait, mais c'est le cœur d'un titan là, et c'est pour briser la prison d'un dieu. Donc en fait, elle intrigue depuis le début de BFA plus directement et même un peu avant d'ailleurs, pour nous amener à ce moment précis, tout au fond du palais éternel d'Ashara, près du cercle des astres ou le cercle d'étoiles, pour utiliser nos cœurs d'Azeroth pour briser la prison de Nisoth. Et c'est ça qu'elle a fait de mieux, c'est ça qu'elle dit à Nisoth. Et d'ailleurs, alors je vais prendre un peu d'avance, mais c'est la description qu'on a d'Ashara dans le journal de Donjon. Reine des Nagas, impératrice de Nazjatar, et l'une des plus puissantes entités qu'Azeroth ait jamais portée, Ashara ourdit ses plans depuis des millénaires. Maintenant que toutes les pièces sont en place sur l'échiquier, elle est prête à en révéler la phase finale. Et c'est ça. Et quand elle dit à Nisoth, ce que je fais le mieux, c'est à ça qu'elle fait référence, c'est voilà, le dernier acte de la pièce qu'elle monte depuis 10 000 ans, facilement. Ça fait beaucoup de temps quand même. Ça fait une sacrée pièce de théâtre, hein. Hein. J'espère qu'il y a des entr'actes. Ouais. Voilà, donc ça c'était leur relation. Et du coup, Après. on peut aussi se dire que globalement, la défaite de la Légion, elle y a participé, quoi. Quelque part, parce qu'il y a des nagas qui sont avec les Demon Hunters, le fait que Dame Vage ait été associée à Illidan, Ah oui, ça on l'a su dans Chronicle que finalement les. Voilà. c'était commandité par Ashara, ça aussi. Par les dieux très anciens, Ouais. donc par. Ouais, c'est Nisoth qui avait fait envoyer les nagas à Illidan. Parce qu'il se disait que ça pouvait être utile de faire chier la Légion et. Puis le fléau. Donc finalement, tout ça, ça remonte à loin, quoi. Ça remonte à loin. Autre des personnages que l'on voit dans le. Intéressant, je ne vais pas parler de Gristet, mais Nathanos. Parce que Gristet. Non, enfin, dans la cinématique, il sert à rien. Mais... Nathanos et le plan que Sylvanas lui confie et la confiance qu'elle lui porte. Alors. Donc on le retrouve face à une importante flotte de l'Alliance qu'il a au cul et qu'il poursuit au milieu de l'océan. Et finalement, ça finit avec tout le monde est naufragé au fond, enfin au fond de Nazjatar. Et parce que Ashara a utilisé la pierre des marées comme vous l'avez vu. Et ce faisant, en fait, elle va procéder à l'élimination, mais sans le moindre effort, de tout l'avantage naval de l'Alliance, ou presque, parce qu'il y a quand même une vingtaine de gros navires, alors qui avaient l'air d'être le gros de la flotte de Kul Tiras après la cinématique de Du coup, Borealus. oui. Et ce qui va laisser les deux forces à la fois paralysées parce qu'ils ne peuvent plus rien faire et bloquées dans un lieu étrange qu'est Nazjatar, puisqu'en plus Ashara bloque la téléportation, croit-elle. Oui. Alors, pas tout à fait. Alors peut-être qu'elle l'a fait croire Ouais. aussi, on ne sait jamais du coup. Parce que la téléportation existe bien. Ouais. L'Alliance, en tout cas, elle n'a pas vu venir le piège et elle a envoyé autant de navires qu'elle a pu auprès des vaisseaux de la Horde pour coincer Nathanos, le champion de la Dame Noire et de la Reine Banshee, quand même, autant qu'elle pouvait. Et alors que les vaisseaux tombent à leur perte, tout le monde dans la Horde comme dans l'Alliance, on peut le penser, va être choqué par ce qui se passe quand même. Parce qu'il y a quand même un rayon géant qui surgit de l'horizon, qui ouvre un gigantesque. Pardon, un gigantesque trou béant dans la flotte et les navires vont Navire s'y qui fond, engouffrer. ouais, ça. Voilà, et il y en a un qui. T'en as rien à foutre. Qui, voilà, Je trouve ça qui normal. n'est pas atteint par ce truc, c'est Nathanos. Ouais. Il est silencieux à l'avant du navire, il utilise la lame de l'Empire Noir comme une balise, et il semble insensible au naufrage, à la séparation des mers, et il n'y a pas de colère sur son visage, et il y a comme d'habitude son manque d'émotion, son stoïcisme, enfin pas son attitude stoïque typique, et il y a même, comme je le disais, un soupçon de sourire sur son visage lorsque bah, tout est en train de se mettre en place là-dessus. Nathanos, c'est vraiment le bon soldat, tu vois, le bon Ouais. officier, quoi. C'est, Ça oui, il voilà pour suivra les ordres de la reine Banshee quoi qu'il arrive. Tu le sens de toute façon dans le. les quêtes et compagnie. Ouais. Il est très dédié à la reine C'est Banshee. comme dans le journal Dogmot ou Dogmore, là, l'ogre à Silicus. Oui. Et il dit Ah, il y a un troupeau de moutons et il y a une dame. Il y a une dame qu'on voit qui les mène en haut d'une falaise et les moutons, ils obéissent à la dame et ils se jettent de la falaise. Et la dame, elle les regarde et elle rigole. C'est un peu ça, C'est un Nathanos. peu ça, oui. Pas que les joueurs de la Horde, hein, Oui. mais.
Ouais, pour le coup, Nathanos est très dédié, et puis même s'il comprend pas les plans de la reine Banshee, il y va, Voilà. il fonce tête baissée, Et quoi. c'est pour ça qu'elle lui fait confiance d'ailleurs. Elle sait qu'il posera pas de questions et qu'il le fera. Et elle lui dirait de se couper le bras et de le bouffer, il le ferait. C'est ça. Il dirait oui, bon, ça doit servir. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'elle lui confie quand même une relique qui n'est pas anodine. C'est pour ça qu'elle lui confie cette mission. C'est parce que c'est son homme de confiance absolue. Et d'ailleurs, pendant le PTR de la 8.2, Sylvanas a une discussion qui est assez intéressante avec Nathanos au sujet de. Alors, vous appelez ça son grand plan, son endgame, sa fin de partie. Et alors, de mémoire, le truc a été ou coupé ou déplacé pour plus tard, mais je crois pas que ce soit sur les serveurs live. Vous me corrigerez si je me trompe, hein. Dis-moi. Mais voilà, c'est le dialogue entre les deux vaut quand même la peine de souligner pour montrer ce qu'ils ont en tête. Et c'est Sylvanas qui parle. Nathanos, la prochaine phase de notre campagne est proche. Naviguez avec ce qui reste de notre flotte, la lame vous guidera jusqu'au rendez-vous. Les pertes des deux côtés seront considérables, considérez que c'est l'occasion d'éliminer ceux qui nous sont déloyaux. Les fils que nous avons tissés avec tant de soin seront bientôt réunis. La guerre sert son but. Restez concentrés sur la fin de partie, vous savez ce qui va arriver. Nous avons traversé tant de choses ensemble, vous et moi. Faites-moi confiance comme je vous ai toujours fait confiance. Elle a un plan vraiment. Elle a un plan. Déjà, alors, il y a des trucs vachement intéressants là-dedans. C'est pas quand tu le lis comme ça, tu sais que c'est pas contre l'Alliance forcément quoi. Non, oui, il y a un truc beaucoup plus global. C'est beaucoup plus global, ouais. Déjà, ce qui semble la préoccuper, c'est pas qu'elle joue les appâts, c'est qu'elle aura l'occasion d'éliminer les traîtres. Que tout ce qu'elle a tissé avec soin depuis longtemps, semble-t-il, est là depuis. Va être là, enfin, va enfin aboutir. Elle dit, la guerre sert son but. Sous-entendu, la guerre a un but qui n'est pas juste l'Azérite. Là-dessus, enfin, c'est clairement pas 1% par l'Azérite qu'elle fait Qu'elle ça. fait la guerre, oui. Ni pour. Et c'est clairement pas une manœuvre juste pour disloquer la flotte de l'Alliance. Il y a un truc plus profond. Et elle rappelle encore une fois ce qu'on évoquait juste avant, la confiance qu'elle lui témoigne et la servitude aveugle qu'a Nathanos à son égard. Et ça, c'est d'autant plus important, toute cette histoire de plan, de endgame, que Nathanos, lui, admet que l'évasion de Bane à Orgrimmar Oui. faisait partie du plan de Sylvanas Dont depuis on le parlait début. tout à l'heure, oui. Et Nathanos nous dit, Sor Frank, Thrall, l'Alliance, c'est vexant de laisser notre proie croire qu'elle nous a échappé. Mais nous devons faire confiance au plan du chef de guerre. Bientôt, votre loyauté sera mise à l'épreuve. J'espère que vous méritez la faveur de la Dame Noire. J'ai été rappelé à Orgrimmar, restez à Nas Jatar, continuez à jouer avec ces vipères traîtresses jusqu'à ce que vous soyez convoqué. Ah, donc les deux trament un truc qui est plutôt pas très net quand même. On ne sait pas encore quoi. Alors, ça va à la 8.2.5 et à 8.3, on va en savoir plus. Mais en attendant, voilà, on en est réduit à des conjectures et à surtout au doute et à la frustration de ne pas savoir ce que c'est. Et c'est ça qui m'a vraiment choqué, enfin choqué dans la suite de la campagne de guerre du coup avec Nathanos quand on va aller libérer Nathanos nous dit vraiment oui non mais allez-y, je sais que Lord Théron est un traître, je sais que vous allez libérer Bane, faites-le. Je sais que vous avez cliqué sur le choix de quête numéro 1, quoi. C'est ça, non mais c'est vraiment genre faites-le parce que de toute façon c'est ce que la reine veut. Donc et là tu te dis mais pourquoi elle voudrait qu'on libère Ouais, c'est les... Alors très. qu'elle l'a emprisonné, elle veut qu'on le libère? Ça, ben on en parle après, mais c'est une C'est chose intéressante, au tout très cas. intéressant, ouais. Ce qui rend quand même, ce qui fait de Sylvanas pas un personnage lisse, tu vois, c'est vraiment Ah, il y a beaucoup d'aspérités. son plan Beaucoup est... trop, d'ailleurs. Elle est presque trop. Ouais. Elle est omnisciente et c'est chiant d'ailleurs. C'est ça. Elle sait parce que tout. elle se gourre pas. Oui, c'est ça. Elle se gourre pas et elle a un plan et apparemment ce truc a l'air très important, quoi. C'est ça, C'est... avec ses 23 coups d'avance et Ouais. puis ses ficelles de marionnettistes qui vont jusqu'au fond des océans. En parlant d'océan, en tout cas, face à Ouais. Shara, Nathanos et Sylvanas, donc comme je le disais, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter, ils sont plus soucieux d'éliminer les traîtres de la Horde. Ouais. Et c'est comme tu le disais, si elle veut éliminer ceux qui s'opposent à elle, pourquoi est-ce qu'elle laisse s'échapper d'Orgrimmar, Ouais. sachant que ça va nécessairement refaire une garrosh, c'est-à-dire que l'Alliance et la Horde vont se liguer contre elle, vont s'unir contre elle, et qu'en plus, derrière, elle amène ses forces restantes à Nas Jatar, où l'armée sera nécessairement confrontée à d'autres pertes. Donc, est-ce que Sylvanas est aussi bonne pour prédire tous les mouvements ou pas? Ça, c'est Bah, logiquement, jusque oui. là, oui. Logiquement, le patch va pas être. Ah ben non, finalement, je me suis trompé et mon plan n'a pas marché. Il y a peu de chances que ce. Désolé. Désolé. En tout cas, ce qu'on sait et ce qu'on peut très fortement supposer, c'est que le but de Sylvanas, c'est de maîtriser la mort. Ouais. Alors, peut-être que si la dame noire, notre amie Banshee, sera un élément central dans les prochains patchs. Et elle semble jouer un rôle dans le plan d'Ashara, la mère Sylvanas, mais avec ses propres motifs. Exactement. Et alors que l'histoire de la Horde semble s'orienter vers la rébellion,
si Thrall gagne le soutien des gens à travers la rébellion, et est-ce que ça aura une importance finalement? Parce que si Sylvanas a un plan pour éviter d'être emprisonnée, comme le disait Blizzard en mode ouais, non, alors ça, elle finira pas comme Garrosh, elle sera jamais emprisonnée. C'est je sais plus quel dev qui disait ça. Ouais. Est-ce que cette rébellion menée par Thrall et Sorfrank pourrait servir à rien, ou alors est-ce que ça pourrait jouer directement pour le plan de Sylvanas? Ça, c'est une autre question qui mérite d'être posée. Et enfin, on Ça semble. serait incroyable quand même qu'elle en... son plan implique la rébellion de Thrall et de Sofang. Enfin... Elle me rappelle, ça me rappelle un épisode des Simpsons où il y a une sortie scolaire et Nelson ne peut pas être là. Et ils vont, je sais plus, à l'autre bout du pays. Et à un moment, il arrive une merde à Bart qui se vautre ou je sais plus ce qui lui arrive. Et là, il y a Nelson qui arrive, qui sort de nulle part, qui fait Ah! Nelson, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris le bus. Et Sylvanas, c'est ça, quoi. Tu l'attends pas, elle arrive. Ah! Je vous avais dit, Voilà. il fallait me laisser faire. Voilà, elle a les MJ de son côté. En tout cas, on est dans une course contre la montre pour voir ce qui se passe en premier. Est-ce que ça va être Nisod qui se libère pour corrompre et consumer Azeroth, ou alors est-ce que ça va être Sylvanas qui, avec son escalade continue du conflit entre les factions, soit amoche encore plus Azeroth, ou avec l'utilisation néfaste de l'Azérite, ou soit relève ses ennemis dans la non-mort, ou soit prépare des trucs pas nets avec la mort. Donc ça, on ne sait pas ce qui va arriver d'abord. Donc la question est de savoir si le prochain patch intermédiaire, ça sera du Sylvanas avec un truc centré sur la mort, ou alors est-ce que ça sera la préparation de Nisot comme boss de fin et Sylvanas passe à la prochaine extension. Logiquement, ça devrait être Sylvanas, et j'expliquerai après les pourquoi. Mais D'accord. en tout cas. Alors, donc ça c'était les personnages. Ils ne doivent pas s'échapper. N'est-ce pas? Alors, il y a aussi beaucoup de lieux et d'événements qui sont sous-jacents dans ce qui se passe là-dedans, surtout d'événements. Alors, il y a la guerre Alliance Horde, bon, ça, j'y reviens pas là-dessus, on en a assez parlé. Il y a le vol de la pierre des marées. Alors, ça a l'air tout con comme ça, mais ça, c'est pas si anodin qu'il y paraît. Ouais. Puisque, donc, Ashara utilise la pierre des marées pour ce que vous savez, c'est-à-dire séparer les flots. Et c'est quand même une pierre qu'elle a essayé de voler à plusieurs reprises, la pierre des marées, sans succès d'ailleurs, et elle traite maintenant la. Maintenant qu'elle l'a, elle traite ça nonchalamment, elle va dire à Sasbien, bah tiens, va la mettre La foutre là-bas, là-bas, hein. alors que quand même, ça fait un paquet d'années qu'elle voulait mettre la main dessus. À Légion, entre autres, hein, déjà. À Légion, entre autres. Et le fait qu'elle réagisse comme ça, d'ailleurs, par rapport à la pierre des marées, c'est un autre exemple d'Ashara qui cache ses attentes, qui garde ses véritables intentions et ses désirs mystérieux. Elle cache toutes ses émotions dans l'artifice. D'ailleurs, elle semble plus excitée de saluer les héros. Qui arrive à Nas Jatar, qu'elle ne l'est finalement de pouvoir enfin utiliser la pierre des marées qu'elle cherchait depuis si longtemps. Et la reine, c'est comme on l'évoquait au début, quelqu'un qui a tenté les différentes créatures qui étaient à ses côtés en leur offrant leurs désirs les plus profonds et en leur proposant des pactes. Et il est donc logique qu'elle, elle évite une manipulation similaire en ne dévoilant pas ce qu'elle désire et en gardant ses propres intérêts étroitement gardés, même si on sait qu'elle adore le pouvoir, mais elle va pas nous donner la corde pour la pendre. Et Ouais. donc c'est pour ça que même là, dans un moment comme ça, elle ne laisse rien paraître, elle confie le soin à une de ses suivantes de s'occuper de la pierre des marées. La pierre des marées, je vous le rappelle, on l'avait laissée sans surveillance dans la tombe de Sargeras, hein, qui devait servir alors. Non mais c'est la logique, tu sais, de oh, on a laissé les reliques Là-bas. de la création. Oups. Oui, parce que. Ah oui, qu'est-ce que c'est la pierre des marées? La pierre des marées, c'est un des piliers de la création. Et Ouais. ça. C'est cinq piliers de la création qui sont la pierre des marées de Golganeth, l'œil d'Amantoul, l'arme des lunes, qui n'est pas un titan, Oui, d'ailleurs, oui. il en manque deux autres, le marteau de Kazgoroth et Ouais. le bouclier, pas l'égide Ah oui, d'Aggramar. de l'égide d'Aggramar, oui. Voilà. Et donc ça, tout ça a aidé forgé par les titans et aux gardiens à façonner le monde d'Azeroth. Et littéralement façonner la création et Azeroth après que les titans et le Panthéon aient vaincu les dieux très anciens. Donc vous imaginez la puissance des trucs. Et donc la pierre des marées servait à agir sur les océans, Totalement. en toute logique. Et nous, on va s'en servir pour refermer le plan, c'est d'utiliser ça à Légion pour fermer le portail qui permet à la Légion Ardente de vomir des flots de démons continuellement depuis que Gul'dan a eu la bonne idée de rouvrir le truc. Et donc, on y va là-bas, et puis finalement, le truc, c'est qu'on va pas la fermer tant que ça, puisqu'on va passer de l'autre côté Oui, c'est pour. ça, puis on va quand même ramener Argus à côté de chez Ouais, nous, quoi. c'est ça. Donc
Donc la tombe est quand même censée être scellée et on passe par Argus via un autre moyen, par des téléporteurs dimensionnels. Entre autres, oui. Entre autres, mais la tombe est censée être scellée avec les pierres qui sont dedans et on peut penser qu'il y a quand même une garde. Alors pas une armée non plus, hein, c'est pas. Oui, mais on imagine bien que c'est Voilà, pas laissé comme ça. ouais, voilà, c'est plus les garnisons du Gondor qui surveillent le Mordor après la défaite de Sauron, bien des siècles après, où Ouais. finalement, où la garde de nuit, où il reste plus 3 pécores. C'est ça. Mais voilà, on peut penser qu'il n'y a pas non plus une armada qui garde la tombe de Sargeras, où a priori la principale menace avait été vaincue. Donc, on l'a supposé en sécurité après la défaite des démons, mais c'est clairement pas le cas du coup, ça signifie aussi que s'il y en a un qui a été volé, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi pas voler les quatre Oui, autres c'est ça, piliers de la pourquoi création? les quatre autres. Oui. D'une part. Oui, c'est vrai ça. En plus, Magni, alors hein, le roi de Kaelor était devenu valet, Magni a souligné l'importance de laisser les piliers de la création dans la tombe de Sargeras, de sorte que la pierre des marées manquante nous amène au pressage inquiétant qu'on vient d'évoquer, et qui laisse encore, alors non seulement tout est volable, mais en plus la tombe n'est plus scellée. Et elle peut servir à faire venir Dieu sait quoi à travers Bah oui. les portails qu'il y avait. Et même après que Sargeras ait empalé Azeroth avec son épée, Magni, lui, voulait toujours pas déplacer les piliers de la création. Parce que, pas parce que, mais malgré, parce que vous vous doutez bien que les piliers de la création auraient pu aider à guérir Azeroth. Vu ce à quoi ils ont servi à la base, non, Magni nous dit, cette épée de Sargeras est pleine d'énergie sombre, il s'infiltre dans le cœur d'Azeroth comme du poison, la puissance de la lame doit être supprimée, les piliers de la création pourraient le faire, mais ils gardent la tombe scellée, nous avons donc besoin d'autres vaisseaux capables d'exploiter de vastes énergies, donc des armes prodigieuses. Et là, on peut penser que comme Ashara a manipulé Magni pour arriver à la création du cœur d'Azeroth, et finalement que le cœur d'Azeroth serve à briser la prison de Nisoth, Ashara a pu manipuler Magni. Pour Alors, dire de laisser voilà, la. finalement dire, oh non, non, n'y touchez pas, ce serait une mauvaise idée. Hein, Alors évidemment, Magni n'est pas complice d'Ashara, il est manipulé sûrement par des moyens très retors, directement, oui. indirectement. Mais le fait est que c'est le murmure de Il-Ginot. Le roi de Karo est devenu valet, ou le Diamond King a été fait pawn, donc pion. Pion. C'est vraiment ça. Magni est manipulé là-dessus. Et on peut penser que là aussi, c'est le coup. Il-Ginot qui nous a fait beaucoup de murmures. Ouais, bah, on a d'ailleurs un truc sur les murmures d'Il-Ginot après. Et Battle for Azeroth, mine de rien, détricote pas mal des victoires qu'on avait remportées à Légion. Hein. Alors, il y a là, par exemple, alors, est-ce qui se passe à la tombe de Sargeras, visiblement. Il y a la corruption qui se re-répand dans le cauchemar d'Émeraude. Ouais. Alors, ça, c'est les quêtes qu'on fait avec à la 8.2 pour la Forge du Cœur. On retourne dans le rêve d'Émeraude. Et finalement, la fleur de vie qui était restée plantée à la fin, après avoir battu Xavius, a pris racine, visiblement. C'est assez emmerdant. La guerre des factions, c'est même pas qu'elle a repris, c'est qu'elle a éclaté et qu'elle menace la stabilité du monde. C'est une guerre ouverte, hein. Ouais, c'est une guerre ouverte, là on fait pas semblant pour une fois. Nos armes artefacts ont été désactivées et la Ouais. sécurité d'Azeroth est plus menacée que jamais auparavant. Donc vous conviendrez que c'est assez emmerdant. Et alors que nous, en tant que joueurs, on fait face à plusieurs menaces immédiates, comme le conflit interne de Lahor, le piège d'Ashara au sein d'Ajatar, on ne peut pas quand même mettre de côté le fait qu'il y ait des implications à long terme au fait d'avoir la tombe qui n'est pas scellée avec avec un ou plusieurs piliers de la création volés, et c'est tout ce que ça pourrait signifier pour le destin d'Azeroth, même si on survit à ce qui se passe à Nazjatar. Alors, spoiler, on survit à Oui, Nazjatar. ça c'est. Hein. Et les piliers de la création. Qui avait été utilisé pour remodeler Azeroth, finalement, après la victoire des Titans contre les dieux très anciens, on peut partir du principe que Nisoth devenant de plus en plus fort et étant libéré d'ailleurs, le plus sournois des dieux très anciens prévoit peut-être de les utiliser à nouveau à cette même fin, c'est à savoir créer un nouvel Empire Noir. Et donc là, ça pourrait expliquer que l'Empire Noir puisse revenir plus facilement si Nisoth arrive à s'occuper de tout ça. S'il arrive à avoir les 5 piliers de la création, oui, il y a des chances, oui. Voilà, moi aussi, ici, ils sont tous aussi facilement volables que celui-là. J'avoue. En fait, il y a un naga qui est rentré avec un grand manteau, et les sorties étaient comme ça, avec ça. C'est ça. Non, je crois qu'il était sous un carton, tu sais. Il a avancé comme ça dans la tombe de Sargeras. Où t'avais un naga avec la larme des lunes en pendentif, l'égide d'Agrammar, le marteau de Ouais. Kazgoroth, la pierre des marées dans le dos comme une tortue ninja, Ouais. et qu'est-ce que L'œil j'ai. d'Amantoul Et l'œil d'Amantoul sous son pour chapeau. sans son chapeau.
Vous voulez voler? Non, c'est un cosplay. Bon, c'est vrai, hein. Je ne me serais pas permis. Pensez bien, voler les piliers de la création, vaillants aventuriers du Kirin Tor. Alors, autre truc, alors ça c'est un point qu'on avait déjà évoqué dans l'histoire du puits d'éternité, donc je vais faire un peu de redite. Fantasie, elle aurait pu manipuler les gens qui gardaient le... Oui, aussi. Ça, ça aussi. Elle leur aura fait du gringue. Ouais. Le lieu, quand même, parce que là on se trouve, on n'est pas juste dans la mer, on se trouve à proximité du Maelstrom, parce qu'il y a les ruines de Zinachari. Je vous rappelle que Zinachari, c'est la capitale de l'Empire des Elfes de la Nuit, qui était au bord du puits d'éternité. Donc là, on est au bord de ce qui était jadis le puits d'éternité. Et donc, on est dans une. Alors, on est entre Nas Jatar, le puits. J'aurais dû mettre une carte, c'est con. Entre Nas Jatar, le puits d'Eterni. Zinas Shari et la zone qu'il y a autour. Ouais. Mais voilà, la capitale des Nagas s'est construite en marge ou sur une partie des ruines de l'ancienne capitale des elfes. Et on va découvrir à la fin du raid du palais éternel d'Ashara que donc les chaînes qui enserrent Nisoth, qui le retiennent, alors plus pour longtemps, hein, comme vous avez vu. Et ce qui veut probablement dire que la prison de Nisoth qui se trouve à côté du puits d'éternité, logiquement, si les chaînes sont là. Oui. Il est. Alors, je le vois plus, c'est con. Alors, mettons que là, ce soit le centre du puits d'éternité. Normalement, la prison de Nisoth aurait dû être là. Si on en croit les cartes de Chronicle, finalement, elle se retrouve là. Et il est évident que les chaînes n'ont pas, ne font pas la longueur de la moitié de l'océan. Il y a peu de chances que ça arrive. Oui, c'est ça. Donc, la prison de Nisoth est arrivée par... Il y a plusieurs explications au fait que la prison de Nisoth est changée de place par rapport à Chronicle. Soit c'est retcon, donc continuité rétroactive, ça a été changé a posteriori, c'est canonique maintenant. Et finalement, c'est plus près que prévu. Et ça expliquerait ce que Nisoth disait à Shara dans la cinématique de Prémis. Je t'observe depuis ces abysses. Depuis vachement de temps, donc ça n'aurait pas été possible si la prison de Nisoth aurait effectivement été à l'emplacement de la carte de Chronicle. Là, ça aurait fait sens, la phrase ferait sens. Et c'est de là que Nisoth a aidé des swings, donc ça fait encore plus sens. La prison a peut-être bougé depuis le temps à cause de la fracture ou du cataclysme, ça c'est possible. Ashara a peut-être téléporté la prison ici progressivement au fil des siècles, pourquoi pas, elle est très puissante. Ou alors, c'était peut-être une fausse information, le truc de base, pour éviter de la trouver. Mais ça, ça ferait pas sens dans un truc qui est censé être canonique. Et ouais. Je veux dire, c'est pas écrit comme si c'était Khadgar qui avait écrit l'histoire d'Azeroth. C'est écrit, voilà, c'est un œil, c'est des informations canoniques présentées aux joueurs de la vie réelle. C'est pas un manuel du lore pour les habitants d'Azeroth. Ouais. Donc voilà, ça c'est les explications possibles au fait que la prison de Nisoth ait bougé. Et ça veut surtout dire que, je vous rappelle que le puits d'éternité, c'est quand même la cicatrice béante de l'endroit où se trouvait Yersage, qui a été arrachée par Amantul. Ouais. Et donc c'est pas anodin. Alors qu'est-ce que ça a comme implication pour la suite, pour le puits d'éternité qu'est-ce que ça a comme implication pour la suite et pour le puits d'éternité, pardon. Déjà, c'est un lien vers la force vitale d'Azeroth en elle-même. Ouais. Et en plus, on va y utiliser nos cœurs pour libérer Nisoth. Et on va y libérer un dieu très ancien avec les pouvoirs du vide, et ça pourrait avoir des conséquences cataclysmiques sur Azeroth. Parce que mine de rien, s'il est à l'accès direct qui servait à un énorme flux de magie et qui était relié à Azeroth, à la monde d'Azeroth elle-même, il a un boulevard, Nisoth. Et il peut puiser dans ses énergies pour, maintenant qu'il est libre, pour faire des choses quand même qui sont... qui peuvent être aussi puissantes que terrifiantes. Bien sûr. Donc ça a quand même pas mal d'implications, le fait que finalement on se retrouve là, et on le voit pas dans la cinématique. Alors, pour des raisons de visuelles, j'imagine, mais normalement on est à côté du Maelstrom. Théoriquement, oui. Voilà, donc ça c'était la première partie de décryptage. On va pouvoir passer à Nas Jatar et la 8.2. Après, c'est 48 minutes passées. J'avoue qu'on a mis 48 minutes pour l'avènement d'Ashara, quoi. C'est je disparais deux semaines. On a des choses à dire. Alors, Nas Jatar et la 8.2. Alors, vous voyez un screenshot officiel de la zone de Nas Jatar dans la forêt de corail. Alors, c'est marrant de voir d'ailleurs que là, vous avez un ancien qui a été un ancien elfe de la nuit qui a été transformé en corail. C'est ce genre de petit détail qui est appréciable. Nas Jatar, donc, c'est la ville des Nagas, la capitale des Nagas, qui est gouvernée par la reine Ashara, qui était jadis la capitale Zinas Shari, la gloire d'Ashara.
avant la destruction du puits d'éternité il y a 10 000 ans, et qui a été submergé jusqu'à ce qu'Ashara utilise le pouvoir de la pierre des marais de Golganed pour séparer les eaux. Et du coup, la conséquence de tout ça, comme vous le voyez à l'écran, c'est qu'une grande partie de la faune et de la flore est d'origine sous-marine. Sous-marine. Mais bon, apparemment, ça dérange pas. Oui, apparemment, ils peuvent parfaitement respirer, il n'y Ouais, a pas le c'est moindre ça. souci. Apparemment, on peut parfaitement discuter avec des espèces locales sans le moindre problème de traduction aussi. Oui, ça c'est incroyable ça. Et apparemment, l'odeur d'eau de mer qui doit être assez costaud et de l'odeur d'algues et de fond marin ne gêne personne. Non, non, apparemment personne n'est dérangé par ça. Bah, je veux dire, maintenant, bah, les raies ont appris à voler. Oui, Donc en plus. finalement. Oui, et puis alors tous les vieux qui se mettent à boiter dès qu'il pleut, là, il n'y a aucun souci, hein. Ils peuvent marcher au milieu de cet océan d'humidité, il n'y a pas le moindre Oui. problème. Et à Naviatar, donc on va trouver des soldats naga qui patrouillent dans la majeure partie de la zone. Oui. Et on trouve aussi de très jolis coins comme la forêt de corail que vous voyez là, des coins plus pittoresques comme un village Murloc, les ruines de Zinachari qui sont un poil décevantes quand même, Ouais. et qui sont remplies de bien-nés maudits qui ignorent qu'ils sont en réalité pris des esprits pris au piège dans une existence maudite. Ça vous rappellera peut-être Asuna d'ailleurs, hein, Ouais. qui avait été submergé par Ashara. Et donc on évolue dans cette zone répartie entre des fonds marins, les ruines de l'ancienne capitale elfique, Nazjatar, donc qui est la capitale des Nagas en elle-même, et son palais. Et tout ça, on va le faire en croisant tout un tas d'animaux divers, alors en gros de la poiscaille, des bêtes locales, genre des géants de corail, des bigorneaux, des crabes, ces saloperies d'araignées de mer qui sont dégueulasses, Des dragons de mer. alors des mordragons, Ouais, je sais pas comment on appelle ça en français. des mordragons. Mordragon? On va en parler ailleurs Ok. après des mordragons, et surtout alors pas des races alliées, mais des races qui nous sont alliées, qui sont les Ankoans et les Ankoyens et les Affranchis. À Nazjatar, on va trouver des intrigues et des traces du passé, c'est logique, parce que évidemment, c'est pas une zone vierge ou c'est pas une zone où tout est en train de se construire, et on va aider des alliés, et parmi ces alliés, au début de l'histoire, on va y être confronté, puisqu'on arrive échoué à Nazjatar. On est coincé Alliance comme Horde dans un endroit qui nous est complètement étranger, en étant attaqué par les Nagas, et pendant les quêtes, on va être sauvé par les habitants du coin qui eux aussi s'opposent Au à régime Ashara, de ça me tient, Shara, au régime d'Ashara. Et ces habitants vont servir les deux factions locales, les Ankoyens du Brisant qui est de l'Alliance depuis leur foyer de Mésamère, et les Affranchis qui eux s'allient à la Horde et qui vont les amener dans leur. C'est une caverne, hein, je crois, du refuge. Oui, c'est le New Home, oui, c'est ça. Mais c'est une caverne. C'est une caverne, oui. Voilà. Donc au refuge. Et ces deux, alors Mésamère et le refuge, servent de centre d'opération, de hub de quête à l'Alliance et la Horde. On y trouve les PNJ de la nouvelle faction qui sont opposées à Ashara, évidemment. C'est là qu'on trouve la plupart des quêtes journalières, des vendeurs des deux factions. C'est là qu'on active chaque jour le système de garde du corps, qu'on va échanger nos perles de mana prismatiques et qu'on va améliorer notre équipement benthique. Donc là, il y a le paquet habituel de nouveautés de gameplay. Ouais. Qui Que très apparemment appréciable. chiffonne châssis parce qu'il fait la Non, non, moue. non, je suis très content justement du système du stuff benthique et des quêtes journalières parce que ça me permet que moi qui ne fais plus de raid d'avoir un stuff correct. Très bien. Enfin, plutôt ok. Plutôt content. T'avais quand même la moue de la belle-mère qui disait à son beau-fils, mais non, je suis très content que vous fréquentiez ma fille. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le. Enfin, j'aime bien le système de stuff benthique. Je trouve ça très intéressant quand tu veux. Surtout qu'il est échangeable avec tous tes persos. Donc, tu peux échanger le stuff en fait avec Mais enfin, une pièce par exemple qui n'est pas que tu n'as pas encore découverte, tu peux l'échanger avec un reroll. c'est pas très hygiénique parce que c'est là où tu mets, c'est là où les Japonais mettent la bouffe pour le midi. Non, non, ça c'est autre chose. Ah, Ça c'est le non, le bento. bento, c'est ce qu'on met pour se coiffer. Non, rien à voir. C'est le pento, C'est le bento. Et c'est des gloublins du coup les affranchis. gloubles. Des Alors il gloubles. y a des gloubles, C'est des des gloubles. géants et Des des gloublins. macroix. Eh ben attends, on va en parler. Les Affranchis, tiens, tu l'évoques, parlons-en. Donc, c'est des anciens esclaves Nagan Nazjatar, et qui est composé de gloublins, de Makrura, de géants des mers et d'autres créatures du coin, et qui sont regroupés pour tenter de se libérer d'Ashara et de l'oppression des Nagas. Évidemment, toutes les créatures opprimées par les Nagas sont les bienvenues au sein des Affranchis. Il y en a beaucoup, hein. Et il y en a beaucoup. Les autres, ce sont les Ankoans en anglais ou les Ankoyens du Brisant, qui sont d'anciens Jinnu qui ont quitté la terre ferme il y a un moment pour vivre sous la mer.
il y a longtemps, et ils ont été chassés par les Naga et sont maintenant en voie d'extinction. Quelle bêtise. Le clan du Brisant, c'est d'ailleurs la seule tribu ankoyenne restante, et sachant qu'ils ne se reconstitueront probablement jamais plus et que leur population est un peu condamnée, maintenant ils se battent contre Ashara elle-même et ils consacrent leur vie à tuer les Naga. Là, ils ont une liste et répètent les noms tous les jours des Naga qui ont massacré leurs proches, et ils vont finir sur un cheval blanc à déambuler dans les ruines de Najatar sans aucune raison. Crois-tu? Et au passage, d'ailleurs, tant qu'on en est à Najatar et à l'Alliance et à la Horde, il y a également la bataille de Najatar qui est un événement PVP quand vous êtes en mode guerre où on se dispute le contrôle de certains lieux du coin. On n'est pas chez nous, mais on fait tout quand même. Oui, enfin, il y a même toute la carte, hein. C'est sur toute la carte, hein. Donc oui. Ah ben voilà, ça On aime bien. c'était... J'ai oublié de changer le screen, c'est pas grave. Ah oui. Je devrais t'envoyer mes screens aussi que je fais. Pourquoi, il est pas bien mon screen? Mais si, mais t'auras comme ça, on aura une comparaison hors d'alliance, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu Oh vois, bon, genre, t'aurais pu voir New Home, tu Oh ben, la merveille des merveilles des sept mers, ouais, ça aurait été bête de T'aurais pu voir m'envoyer notre de... cave. Je t'emmènerai dans notre cave. Mais je te demanderai au mois d'août de m'envoyer tes screens. Super. Alors, on aide également les lieutenants de faction à explorer leur passé, comme vous le voyez sur ce photomontage fait par mes petites mains à partir de screen de WED. Et c'est Bien la joué. première Canis Talrissera et Chandris Feathermoon qui va nous accompagner. Malheureusement, il n'y a ni Tyrande ni Ouais. Malfurion qui pourtant étaient très familiers avec les lieux, qui pourtant ont été assez vus avant, mais non, on s'est dit on va mettre Chandris, la fille de petite Tyrande, bon pourquoi pas, et Talisra. Bah, Talisra, après, ça paraît logique. Talisra côté Horde, il n'y a pas 50 possibilités. Oui, c'est ça. Et puis, c'est la seule. Enfin, sur Amar, c'est quand même la faction qui a souffert d'Ashara plus que les autres. Voilà, mais c'est surtout enfin, le fait qu'il n'y ait ni Tyrande ni Malfurion qui, moi, me perturbe. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, tout seigneur, tout honneur, Chandris et Talisra donc, ont des liens avec Xhinashari, la capitale des bien-nés avant qu'elle devienne Nasjatar. Chandris, elle, faisait partie des elfes qui se sont réfugiés à Xhinashari après la destruction de sa ville d'origine, qui s'appelait Arahinam, par la Légion Ardente. Et de mémoire, elle était gamine, et Tyrande l'a trouvée et l'a adoptée, finalement. Et ouais, Chandris est finalement fini général de l'armée des Sentinelles là-dessus. Mais elle a beaucoup souffert de la guerre à l'époque, donc vous imaginez bien qu'elle adore Azshara. Il y a également Talisra qui fait partie du truc, puisque à l'époque, elle formait les Magi des bien-nés. Donc elle était professeure et les autres étaient élèves. C'est aussi un des puissants mages arcaniste. Oui, bon, c'est pas gênant non plus. Et bien qu'elles aient toutes les deux des motivations très Quand différentes, même, hein. bon, c'est pas Bah c'est Elisande. avec Jaina qu'elle referme la Non, pierre là. c'est Jaina qui a le plus gros bâton. D'accord, mais c'est n'empêche que c'est les deux qui sont équivalents. Parce que même Talisra dit je pourrais pas le faire tout seul et toute seule et Jaina a dit je vais t'aider, ils font ensemble. Oui, mais c'est Jaina qui fait tout. Non. Elles sont Ah, équivalentes. écoute, c'est pas une connasse de la Horde qui va nous aider, hein, déjà on fait ce qu'on veut. Talisra est équivalente à Jaina. Oui. En termes de magie. Oui. Oui. Et pour faire sortir des colombes des chapeaux, peut-être. Elle fait les mêmes portails que Jaina a fait. Oui, j'en doute pas, sauf qu'ils marchent pas, ils sont juste ici. Et on passe le bras à travers et rien. Moi, c'est. Quel est ce bruit? Je ne sais pas quel est ce bruit. Je ne sais pas quel est ce bruit. Bon, tant pis. Très bien, bon bah désolé si vous avez un bip bip bip. Non, mais on l'entend pas, je crois. Ah, ça vient du. Non, on l'entend pas. Ça vient de je sais pas d'où. Ça vient de dehors. Ah. Mais avec le micro. Alors, je sais pas si avec la sensibilité micro vous l'aurez, j'en suis désolé si vous l'avez. Donc les deux ont des motivations très différentes et finalement il y a deux suites de quêtes qui vont les confronter à leur passé alors qu'elles parcourent de nouveau les rues de Xhinashari. Chandris, elle, va découvrir un être cher qu'elle avait perdu suite à la malédiction d'Ashara, qui est son frère. Et Talisra, lui, va découvrir le destin d'une de ses plus prometteuses élèves qui est Sivara. Alors, on parlera peut-être, on en parlera ensuite. Et pour l'alliance, donc ça va être Janus, Penlune, le frère aîné de Chandris, et donc, comme je vous le disais, et l'arcaniste Sivara pour la Horde, qui était l'élève de Talisra. Et on va partir sur leur trace à toutes les deux. Bah, c'est très agaçant ce bruit. C'est Oui. pas la clim, peut-être? Non,
C'est pas la clim. Je sais pas d'où ça vient. Bon. Écoute, c'est pas grave. Bon, excusez-nous. Et donc, bon, on va rassurer le frère de Chandris sur le fait que finalement sa sœur va bien et qu'elle en a survécu. Alors, son frère est mort quand elle était jeune, donc je crois que c'est De un gamin s'arrêter. ou un. Tant mieux. Un gamin ou un ado, ou un elfe entre deux âges. Et quant à Sivara, bah, malheureusement, il y en a une qui va s'en vouloir un peu, c'est Talisra, puisqu'elle l'a trouvée tellement prometteuse qu'elle l'a envoyée à l'Académie royale de magie. Et bah, ce faisant, elle l'a poussée dans les griffes d'Ashara, qui finalement va en faire sa créature et qui va la déformer physiquement pour en faire ces espèces de femmes crabes que vous voyez à Nazjatar et qui sera le premier boss de raid du palais éternel. On voit également dans ces quêtes, alors au fur et à mesure qu'on suit les deux, on va arriver finalement à l'endroit qu'on connaît bien si on a vu la vidéo prémisse d'Ashara, c'est l'endroit où Ashara a fait une bulle de protection géante au Oui. début de la vidéo et où il y a le poisson qui est en train d'agoniser. Et donc on retrouve cette marque circulaire arcanique au sol violette et ainsi que le squelette du poisson d'ailleurs. Et y a un écho du passé, et quand on clique sur Ashara, enfin l'écho du passé d'Ashara, on peut revoir la cinématique. Alors pourquoi est-ce qu'Ashara nous montre ça? Mystère et boule de gomme, peut-être qu'elle veut qu'on comprenne les motivations, ou peut-être qu'elle veut qu'on comprenne que Nisoth est inévitable et finalement que tout ce qui va advenir est aussi nécessaire qu'irrépressible. Ça, on peut se perdre en conjoncture. Peut-être. Après, c'est la cinématique qu'on n'avait pas vue en jeu. Du Oui, coup, c'est la seule qui aussi. n'était pas dans le jeu, implantée dans le jeu. Donc, pourquoi pas. Comme les. Tu te souviens des trucs de Illidan là? Les journaux d'Illidan là? À la Légion. Il y avait quatre cinématiques Ouais, mais on les voyait en jeu que tu aussi. voyais en jeu après, mais fallait Ouais. les chercher, quoi. Donc, peut-être la même chose. Là, bon, là, ça va quand même être. De mémoire, c'était Ashara qui nous les montrait, ça. Ouais. En tout cas, elle va apparaître une fois de plus. Elle va envoyer. Bah, elle va débarquer avec Sivara, qu'elle va envoyer. Finalement, on va à peine égratigner Sivara. Vous vous en doutez bien tout seul C'est le contre un boss de boss de raid. raid. Et Ashara va lui dire: Oh non, mais surtout pas. Laisse-les en vie quand même. Faut qu'ils puissent profiter de tout ce qui arrive par la suite. Et donc, elle dit à Sivara de s'en aller. Et Sivara s'en ira pour qu'Ashara continue à jouer avec nous. Voilà. Donc ça, c'est également des éléments un élément important de la zone de Najatar. L'autre élément qui est marquant, c'est les interventions de la reine Ashara, qui débarque à tout propos ou en toute occasion pour nous tancer, pour se moquer de nous, pour nous faire des critiques, pour dire à un moment, par exemple, il y a Chandris et Talisra qui sont en train de se crêper le chignon. Vous êtes planqué dans votre bulle à Sur'Amar, vous êtes des lâches, vous êtes des couards. Et elle a dit, mais non, on a fait ça pour protéger les reliques, évidemment. Voilà, et là, il y a Shara qui débarque. Oh, mais vous êtes mes sujets, ne vous divisez pas, machin. Et là, les deux se retournent vers elle. Connasse, on va te faire la peau, tu vas voir. Oh, je Ouais. suis vraiment trop fort pour fédérer mes sujets. Oh, ça se passe en deux temps, c'est pas tout à fait comme Ça, ça. oui. Mais c'est ce genre d'informations-là, et on retrouve régulièrement Shara ou quand on tue un des. Ben, par exemple, Asharaf, il y a un truc qui s'appelle Invocation des Profondeurs, qui est un événement PvE qui, toutes les 3 heures, fait pop un élite rare, et elle invoque une créature puissante. Et quand on les tue, évidemment, Asharaf arrive et pour dire ah, ben, vous avez bien fait de le tuer, il n'était pas digne, il n'était pas assez fort. Et très régulièrement, elle apparaît, comme jadis Illidan, non, Illidan ne le faisait jamais, mais comme le roi Lich en tout cas. Et c'est très. Bon, c'est la vieille mécanique qu'on retrouve, Dieu merci, depuis un moment où les boss de raid sont introduits dans les quêtes de la Ouais. zone qui est avant. Et Ashara se retrouve régulièrement avec le caractère et la personnalité qui la caractérise. Profitez de mon invitation, profitez des merveilles d'Ashara, j'ai tellement hâte de vous voir, etc. C'est limite si elle ne nous amène pas à bouffer. Et elle est une bonne hôtesse en tout cas. Et encore tout ça. Il y a également les effets. Alors, on est sur les traces des bien-nés, hein, les ruines de Zinachary. Alors, il y a tout un tas de reliquats d'expérience magique. Par exemple, il y a Mardiva, qui est un ancien sage qui était à moitié fêlé. Un ancien magicien qui était sorcier, à moitié fêlé, qui faisait des expériences, dont on retrouve le laboratoire et qui a des quêtes assez sympas avec des fils à des arcaniques à démêler. Il y a également les bien-nés maudits qui ne se rendent pas compte qu'ils sont maudits et qui nous attaquent. Quand on est, par exemple, quand on fait la quête de la tombe de Kelia, où on va aider un esprit bien-né à retrouver l'esprit de son père, pareil pour le libérer, tout ça. Bon, les quêtes habituelles sur les esprits et les fantômes, hein, il faut les libérer parce qu'ils ne Oui. se rendent pas compte et ils souffrent beaucoup. Il y a une quête plus intéressante qui est sur les En leur mettant des morts-dragons. gros coups de savate.
C'est ça qu'on fait. C'est ça, bah ouais. Les quais, bah tiens, voilà, les enfants. Alors, les morts dragons, j'ai pas mis de screen, mais c'est ce que vous voyez là, alors, ou les snapdragons en anglais, Les snapdragons, c'est ça. qui sont une espèce de loup reptilien aquatique qu'on a depuis Warcraft 3 d'ailleurs. Hein. Puisqu'ils ont fait. Et là, ils font enfin leur début officiel d'en haut en tant que prédateurs à la morsure assez toxique. À l'époque de War 3, bah, c'est Illidan et les Dames Vaches qui les recrutaient pour l'armée et les emmenaient en Outland. Et là, grâce au collectionneur Kojo, on découvre davantage sur eux. En fait, les Mordragons ne sont pas des créatures naturelles, mais ce sont des loups qui ont subi les expériences de. Alors, comment ça s'appelle? Elrina. Elrina. Sous les ordres du général Uxar, qui finalement la tuera une fois qu'il aura le truc qu'il fallait, une fois qu'il aura l'arme qu'il fallait, qui voudra s'en approprier le mérite. Donc ce sont des loups qui ont muté. Alors, il y a également la pierre des marais, tant qu'à faire qu'on récupérera. Et ce que tu évoquais justement, c'est qu'on va arriver, l'Alliance et la Horde vont s'allier. Ouais. Alors, je crois que c'est un moment à débarquer tous les deux pour récupérer la pierre des marais. On se bat avec Lorthémar et Jaine. Alors, il y a Lorthémar, Jaine À nos côtés, je parle. ouais, Ils se battent à nos... et il y a Jaina et Talisra, Ouais. et en fait finalement et on utilise le javelin de Suramar, qui est une relique qu'on récupère pour briser La bulle de protection, ouais. la bulle de protection autour de Zarissa et de la pierre des marais, et on va affronter Zarissa ensuite. Et grâce à cette magnifique coopération entre l'Alliance et la Horde, on va pouvoir récupérer la pierre des marais. Pour empêcher Assura de l'utiliser d'une part, et pour ensuite mener Ouvrir le l'assaut sur palais. le voilà mener l'assaut sur le palais et débloquer alors parce que Assura n'a pas, alors vous le voyez pas sur ce screen, mais il y a un grand miroir d'eau au pied de la Ouais. statue qui sert d'entrée au palais, et la pierre des marées sert à faire péter le verrou et à aller tout au fond du truc pour aller à l'entrée du raid. Et là, on rentre vraiment à Nas Jatar en tant que tel. Et enfin, dernier truc, mais qui a son importance, c'est les quêtes de Magni et du cœur d'Azeroth. Parce que quand même, si le cœur C'est d'Azeroth a une vrai. légère importance. Et donc Magni a progressé, lui, sur Ses ses recherches, travaux, ouais. sur ses recherches. Et il va, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que voilà, on a trouvé un truc super génial pour qu'Azeroth aille mieux, c'est la forge du cœur, et il faut les essences des protecteurs originels d'Azeroth, qui sont les dragons. Je crois qu'on en avait parlé dans l'histoire des dragons la Oui. dernière fois, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Et on va aller, du coup, ça va nous amener à la chambre du cœur, au repaire de Neltharion, à Noldrassil, au Maelstrom, au rêve d'Emeraude, aux terres du crépuscule. Et finalement, on va revenir ici, où on assistera à l'union des vols draconiques avec Caligos, avec Chromie, avec Alexstrasza, avec je la garde pour la fin, elle, avec Ébissiane ou Corne d'Ébène, hein, et avec Méritra, qui est probablement celle, la fille d'Izera, et qui est probablement celle qui lui succède d'ailleurs. Hein, c'est une skin d'elfe de la nuit avec des petites cornes sur le truc. Ça me dessus, ouais. Et voilà, et à chaque fois elle parle on assiste à une discussion entre Alexstrasza et Méritra, qui est pleine de doutes par rapport à Izera, et on sent que ouais, c'est elle qui a récupéré le poids et le fardeau des responsabilités. En tout cas, Du rêve d'émeraude, donc du cauchemar. voilà, du rêve, du cauchemar, qui semble-t-il, avec la corruption du vide, qui recommence à se répondre encore une fois. On apprend également qu'il y a au moins deux nouveaux complexes titans qu'on ne connaît pas, ainsi que potentiellement trois ou quatre autres, si les. Il y a un moment, je crois que c'est Mère qui les passe en revue et dit. Alors, il y a Uldaman, il y a Uldir, il y a Uldum, il y a. Elle en cite deux autres, après Uld, Uld, Uld. Est-ce que son disque est rayé, ou est-ce qu'il y en a 5-6 en Ouais. plus? Et il y en a un visiblement qui est très dangereux d'ailleurs, hein, dans l'eau. Donc, ça, c'est Il aussi. serait à la Terre des Dragons, du Donc, on coup, n'a pas sur fini de l'île voir aux des. dragons. Peut-être sur l'île aux dragons. Peut-être sur l'île aux dragons. Et on n'a pas fini de voir donc des complexes titans sur Azeroth, en tout cas. On croise aussi les agents du Prince Noir là-dessus. Hein, je vous renvoie à ce qu'on a fait sur les dragons. Et on va aussi se rendre compte que finalement, la corruption est toujours pas éradiquée dans le cauchemar des mondes. Donc, ça c'est aussi intéressant de voir que le patch ajoutait des choses comme ça. Et même si c'est focalisé sur les dragons, et comme on en parlait la dernière fois, ça veut peut-être augurer d'un retour des dragons. Voilà, on bosse aussi pour le cœur d'Azeroth qui va servir à ce que vous savez à la fin. Et maintenant, on va pouvoir passer au palais À éternel l'éternel. d'Ashara. Oh, peut-être, grosso modo, toi, le patch, la zone, t'en pensais quoi? Donc Alors, pour le coup, moi, la Nas Jatar, je n'aime pas trop, mais c'est parce que j'aime pas trop l'ambiance en fait des marées. Je suis un peu déçu de la façon dont. En fait, c'est pas l'intrigue qui me plaît, qui m'attire le plus là pour l'instant. Moi, ce qui m'attire le plus, c'est l'intrigue plutôt Sylvanas, la Horde, Thrall et Sorfang en fait. Et c'est ça que j'avais envie de voir.
et j'en ai vu que très peu en fait, contrairement à ce que j'attendais. Et là, Nazjatar, je t'avoue que Pareil, ouais, oui. C'est mouais, tu vois. J'avais préféré C'est ok, Vachir, moi. ouais, ça c'est ok, mais c'est mouais, tu vois, c'est. Moi, je me dis, c'est quelque chose quand même qu'on attend depuis longtemps, et je m'attendais à beaucoup plus grand, beaucoup plus Ouais. impressionnant, et là, genre, on a un bout de ruine, un bout de Najatar, un bout de forêt de corail. C'est Je ça. caricature, mais C'est pas très grand. l'environnement est très soigné, mais le fait est que voilà, les fonds marins, c'est pas un délire qui m'intéresse. C'est, voilà, des algues, des cailloux, du corail et des crabes. C'est moi déjà, la zone fait pas rêver, en t'as aussi bien modélisé, autant de travail qu'il y a demandé. La zone de base fait pas rêver. On aurait Ouais. pu imaginer, par exemple, que toute la zone soit dans. Il y a un bout de Zinachar qui soit très impressionnant, et il y a Nazjatar avec d'immenses bâtiments et des choses comme Oui, ça. c'est ça ce que Voilà. j'aurais plus vu, tu vois. Et pareil, le palais éternel d'Ashara est censé être magnifique, etc. Bon, enfin, je trouve pas que ça fasse rêver en termes Ben, d'architecture. c'est Hein. exactement. Alors, justement, c'est tant mieux parce qu'on va en parler du palais éternel. Mais le palais éternel de Ashara, pour la grandeur du personnage, Ouais. qui est censé avoir, genre. On connaît Ashara, on connaît son caractère. Je trouve que c'est très fade, en fait. Ouais, voilà, ça fait pas rêver. C'est ça. C'est j'ai beaucoup de mal. Enfin, pareil, les races, les alliés qu'on a sur place, ça fait pas rêver. Enfin. Alors, j'ai beaucoup d'empathie pour les Gloublins parce qu'ils sont très attachants. Leurs phrases en fait sont très attachantes. D'ailleurs, il y a un des Gloublins qui est doublé par Donald Renew. Ok. Voilà, sache-le. Et du coup, je trouve ça très. Enfin, ouais, je les trouve très attachants les Gloublins, mais ils sont pas charismatiques, quoi. Et puis, on les avait déjà vus déjà à Valjir en fait, Ouais, et donc. puis. Mais c'est un truc qui est tellement important pour l'histoire, tout cet endroit, puis, enfin, la Mayo prend pas. Par exemple, des nagas, enfin, logiquement, t'en croises un à tous les coins de rue, quoi, enfin, tous les coins d'algues. Là, pas tant que ça, en fait. Oui, c'est vrai Alors qu'il y en a après, pas ça trop. sera invivable pour les joueurs, mais Ouais. finalement, il n'y a pas tant de nagas que ça, c'est pas si impressionnant que ça, le palais qui est censé être magnifique n'est pas si magnifique que ça. Et que ça, comme Mekegon, je me suis rarement... D'ordinaire, les zones me font plus rêver et me donnent plus envie de jouer. Et là, pour le coup, personnellement, ça n'a pas été le cas pour moi, parce que le patch m'a... Je vais pas dire qu'il m'a déçu, mais c'est pas ma came pour le coup. Mekagon, c'est pareil, hein. Pour le coup, j'ai juste fait les quêtes pour avoir la monture volante. Hein. Parce que sinon, c'est une zone qui m'a. Ah, moi j'aime pas tout ce qui est gnome et ingénierie, c'est vraiment pas mon délire, donc encore moins. À choisir entre les deux, je préfère encore Najatar parce Oui, que voilà, l'histoire avance. c'est ce que j'allais dire. Au moins, l'histoire avance et au moins, il y a une bonne intrigue. Parce que les histoires annexes à la Mekagon, bon. Voilà, donc ouais, un peu décevant. Après, ça enlève rien aux trucs de gameplay qui sont Oui, voilà. sympas. La forge du cœur d'Azeroth, c'est bien. Ouais. L'équipement Benthic, c'est bien. Enfin, le système de garde du corps est sympa. Ça C'est ça. fait plaisir d'en retrouver. Mais voilà, c'est pas le fond, c'est la forme, moi, qui me font pas rêver. Exactement, et c'est dommage parce on joue plus pour la forme, finalement. D'ailleurs, il y a Lady Ashven, on en a parlé de Lady Ashven qui On va en était. parler Ouais, après. ok. Parce qu'on sait pas comment elle a débarqué ici, elle. Oui, alors Hein. ça pose beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de. Palais éternel d'Ashara. Alors, il y a 10 000 ans, quand les mers engloutirent Zinachari, Ashara passa avec Nisoth un terrible marché qui fit de ses sujets d'infâmes nagas. Un peu raciste, tout ça. Ensuite, des millénaires de conquêtes sanglantes permirent à la reine de fonder un nouvel empire sur les ruines du précédent. Elle règne désormais sans partage sur les profondeurs qui menaçaient autrefois de l'engloutir. En hôte attentionné, elle a invité l'Alliance et la Horde au palais éternel pour assister à son ascension et à leur perte. Voilà, ça c'est le tableau. Évidemment, on va finir par y aller pour mettre Ashara hors d'état de nuire, parce qu'elle est très méchante. Et le palais se divise en trois zones. Il y a la grande réception, où on affronte le commandant Shivara, le Béhémoth des eaux noires, Sivara. Sivara. Le commandant abyssal Sivara, le Béhémoth des flots noirs et la radiance d'Ashara. Après, il y a les profondeurs des dévots avec Dame Corsandre, Orgozoa et la cour de la reine. Et enfin, le cercle des astres avec Zakul, le héros de Nihalotta et la reine Ashara. Alors, Ça coule. ça coule. Qui a posé beaucoup de problèmes d'ailleurs au guild. Ça coule de source. Ça coule de source. Sivara. Elle, donc, c'est une ancienne élève de Talisra, que Ouais. son ancien mentor a indirectement condamné à tomber des griffes d'Ashara à devenir cette beauté envoûtante. Maîtresse des arts martiaux et des arts magiques, le commandant abyssal Sivara a guidé l'avant-garde d'Ashara vers de nombreuses victoires. Alors, je n'ai pas fait les combats, si tu veux en parler. Je n'ai pas fait les combats non Très plus. bien, Comme bon. ça, j'ai la quête. Il me demande d'aller tuer Ashara. Voilà. Très bien, bon, moi Bah j'en suis. vu que je fais plus de hardcore maintenant, j'ai pas le temps de faire les raids. Très bien, bon, pas de parenthèse gameplay cette fois, tant mieux, on Ouais. ira plus vite. Alors, lui, c'est intéressant parce que c'est quand même un des boss qui. Le seul boss aquatique du truc. Oui, et qui le combat se fait sous l'eau par contre. Ouais.
Et il nous envoie des décharges électriques avec son antenne. Le béhémoth des flots noirs, invoqué des profondeurs inexplorées, le béhémoth des flots noirs rôde dans les abysses si ténébreux que les nagas eux-mêmes n'osent pas s'y aventurer. Seule Ashara peut contrôler la bête qu'elle a dressée pour garder jalousement ses trésors. Sûrement des portraits d'elle-même, du coup. Oui, c'est ça. Ça, c'est le second boss. Et le troisième, ça rappellera quelque chose, une Ah, instance de c'est... légion. La radiance d'Ashara. Alors, la radiance, c'est qui rayonne, émet des radiations visibles. Donc, c'est la lumière d'Ashara. Vous voyez comme c'est lumineux. Grâce au sacrifice volontaire de sa suivante, dont j'ai oublié le nom, mais qui, comme tous les nagas, a un nom à coucher dehors et qui ressemble à du fourche-langue, Ashara a créé un élémentaire de magie et de tempête. Alimentée par l'âme de sa dévouée vassale, cette monstruosité incarne toute la radiance de la reine. Ouais, on la voit sacrifier au début et devenir ça. Ensuite, alors. Elle est au centre, non, c'est pas ça? Je sais, non, je. Non. C'est Genova, ça. Ah, peut-être, elle est au C'est centre. Genova, ouais, c'est ça, ouais. Non, je. Bah On dirait écoute. un peu. Dame Corsandre. Alors là, vous la voyez. Ah, en fait, Dame Corsandre, elle. Bon, elle avait partie liée avec Ashara. Et On l'affronte une fois d'ailleurs. on l'affronte à Boralus. Et dans les quêtes, à Najatar. Alors, j'en suis pas là. Mais attends, je finis juste le. Donc on arrive à, Vas-y. finalement, on arrive à déjouer toutes ces manigances et ces intrigues, alors qu'elle faisait semblant d'être l'amie de Priscilla Cor de la mère de La Jaina, mère Jaina, oui. de Port-Vaillant, Catherine Port-Vaillant. Catherine. Finalement, elle complotait dans son dos, donc on expose sa traîtrise, et finalement, elle se barre, elle s'enfuit comme un méchant de série B. On la poursuit, on la retrouvera au siège de Boralis, où elle menacera avec un kraken géant que lui a filé Ashara de détruire toute la ville. Ça ne marche pas, et finalement, elle va être emprisonnée dans sa propre prison, qui est. Comment il s'appelle ce donjon déjà? C'est le. Le fort de... Non. Bon, c'est l'instance prison Ouais. de cette extension qui Qui est sur appartient une à la île. compagnie Qui est sur une île. Corsandre. Et voilà, et donc elle est emprisonnée là-bas avant que Sylvanas ne la libère Oui. et elle fraye avec Sylvanas. Alors, ça, on ne sait pas trop de choses là-dessus. Alors, Sylvanas, nul doute qu'elle veut emmerder l'Alliance, d'une part, et Mais ça peut-être fait que. partie de son plan plus global. Voilà, et après, s'il y a un coup de billard à trois bandes entre Ashara, Sylvanas et Corsandre, il y a peut-être aussi des choses douteuses. Ouais. Et Dame Corsandre, finalement, on la retrouve à Nas Jatar, où elle donne des ordres aux Naga, où elle supervise la production d'armes en Azerite, et elle gère une petite armée, et on va la retrouver. Donc tu me dis qu'on l'affronte On avant. l'affronte une fois, et après elle devient cette chose. Ouais, alors là, on est dans le palais. Ouais. Et dans le palais, en fait, elle est protégée par des boucliers. Et finalement, quand on arrive, une fois qu'on a désactivé les boucliers en faisant les trois boss d'avant, on arrive devant Corsandre, qu'on trouve en tête-à-tête avec Ashara. Et elle lui dit, Ashara, tu m'avais promis une puissance au-delà de ce que je pouvais imaginer. Honore ton marché. Tu sens la voix de Corsandre qu'elle est pressée parce qu'elle sent qu'on va lui tomber sur la gueule. Et Ashara, très moqueuse, très narquoise comme d'habitude, oh oui, elle la transforme en ça. Et c'est bien fait pour sa gueule. Ouais, Parce parce que, qu'en fait, elle est aussi belle qu'intérieurement maintenant. Ashara en fait sauve Corsandre au moment où on la tue dans la quête en fait. On va pour la défaire et Ashara en fait récupère Corsandre et dit non mais Corsandre lui dit non mais je croyais que je devais faire avoir des plans C'est machin dans la etc. caverne, ça. Ouais. Ah oui, mais ça, on l'a aussi. Mais en fait, moi, elle est juste restée au fond de la caverne. On a battu tous les Naga devant. Et au moment où on va arriver pour la tuer, là, elle disparaît. Et D'accord. Ashara. Et Côté Alliance, en tout cas. du coup, elle lui dit non mais effectivement j'ai des plans Oui, voilà. Et sois plus grands, patiente. sois Elle lui dit un patient, truc comme ça. ouais. Et donc, elle va être transformée en cette abomination. Alors, Ouais. vous voyez qu'elle a. Alors là, on ne le voit pas, mais elle a un ancien morceau de ses manches. Elle a un ancien morceau de son pantalon. Et donc, Ouais. évidemment. Corsandre, là, un peu mauvaise quand elle fait non, non, c'est pas ce que je voulais. Et Ashara lui dit, bah, tu voulais être puissante. C'est puissante, hein. Ça me rappelle, comment il s'appelait? J'avais beaucoup aimé ce film. Alors, c'est une comédie sans prétention. Il y avait Endiablé. Il y avait, oh merde, comment ça? Il y Endiablé. avait Brendan Fraser, Elisabeth Hurley dedans. Et c'est l'histoire d'un mec qui fait un pacte avec le diable et qui est joué par Elisabeth Ah Hurley. oui. Et à chaque fois qu'il fait un vœu, le diable joue sur les mots et c'est Oui, pas, et à sur les chaque fois, c'est failles. ça, il lui fait des trucs, même quand il dit qu'il veut être riche, quand il devient un joueur de basket, ou pour un moment, un truc comme Oui, ça, c'est ouais, c'est ça. ça. Et voilà, donc voilà, Ashara l'a rendue plus puissante. Et donc le journal de combat nous dit, la quête de pouvoir effréné de Priscilla Corsandre a fini par la conduire au palais éternel pour un sombre pacte avec la reine Ashara. Mais en contrepartie de sa loyauté, Corsandre va recevoir bien plus que ce à quoi elle s'attendait. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Ouais, mais c'est tant mieux. Elle est dégueulasse, Ah oui, non, mais elle est grotesque et c'est bien fait. hein.
Et voilà, et ainsi finit une maniganceuse. Donc, comme Zul en boss de raid, le prophète Zul en boss de raid, l'autre traître de faction finit en boss de raid aussi. Ensuite, le boss suivant, c'est. Oh, alors c'est la. C'est la couveuse, mais c'est une frayère quand c'est des poissons pour tout ce qui est aquatique. Les poissons et les choses comme ça, on dit une frayère. Donc Orgoza veille sur la frayère d'Ashara et se prépare au jour où elle libérera ses aurores en devenir sur Azeroth. Alors, ce ne sont pas des nagas, hein, ce sont les trucs comme ça qui éclosent. Hein. Ouais. Et donc, oui, voilà, c'est une espèce de flagelleur mental aquatique. Enfin, On les sait pas pieuvres trop, flagelleurs, ouais, c'est ouais, voilà. ça, hein, C'est les c'est un mélange. arthroïdes, je crois. Je sais plus comment ils s'appellent, ces machins. Oh bon, Avec des yeux. voilà, rien de spécial à dire. Alors, plus intéressant, Oui. la cour de la reine. Et donc là, c'est toutes les suivantes d'Ashara et tout, enfin, toute sa cour, tous les gens qui sont assez dignes pour être au pied d'Ashara. Oui. Et C'est pendant. censé être les plus puissants, du coup. Oui, ou les plus flatteurs. Aussi. Il y avait une blague soviétique comme ça où Brejnev allait chez le docteur et il se plaignait parce qu'il n'arrivait plus à aller aux toilettes. Et donc le docteur examine Brejnev, donc qui dirigeait l'URSS, si vos cours d'histoire vous fait défaut, et il fait bah, baissez votre pantalon, Léonid Ilitch. Il le sculpte, il fait ah bah je comprends pourquoi vous pouvez plus aller aux toilettes. Il fait on vous a tellement léché le trou du cul qu'il a disparu. Voilà, je pense que Merci. Merci de cette histoire, elle est incroyable. Je voilà, m'attendais pas à la chute. comme quoi on peut parler de Brejnev en parlant d'Ashara. Pendant 10 000 ans, la cour de la reine est toujours parvenue à accomplir la volonté d'Ashara. Aujourd'hui, ses serviteurs les plus puissants s'apprêtent à accomplir son dernier décret. Et le décret, c'est une des mécaniques du combat, où Ashara arrive et ajoute des mécaniques au combat d'ailleurs. Et autre chose marrante d'ailleurs, notamment ici, tu peux interagir avec Ashara, et selon les modes que tu lui fais, elle peut te tuer, te transformer en truc, te faire Oui. vomir, ou te remercier. Ou te remercier, Oui, ouais, alors ou c'est. il y a des petits cœurs aussi quand Oui, il y a des tu. cœurs. Et dans le dernier combat, quand je crois que tu ploies le genou devant elle, en fait, tu passes. Il me semble. Tu passes inamical pour tes alliés parce que tu as Ah rallié oui. Ashara, je crois. Mais ça, c'est très Ça, je marrant savais qu'il y ait pas. cet Je savais élément qu'il y avait RP. les côtés rude et Ouais. compagnie, slash kiss, slash hug et compagnie qui marchaient, mais. Eh ben, on a fait les frais. Non, je n'ai pas fait les frères, mais j'ai C'est vu un beaucoup bicorne. de. Ah, Zakul. Zakul, héros de Nyalotha, héros de la fin des temps, Zakul déchiquette les derniers vestiges de raison d'un monde en plein chaos, posant les fondations pour le nouveau maître d'Azeroth. Donc c'est un envoyé de Nizoth. Il est là pour nous rappeler que Nizoth va arriver. Nizoth d'ailleurs est rappelé visuellement dans ses épaulettes. C'est un sans-visage, un peu en armure. Donc logiquement, il va servir de modèle à des mobs intermédiaires pour le prochain Oui, c'est patch, ça. comme les boss le font en général là-dedans. Et lui a un combat intéressant, il fait alterner entre pas des dimensions, mais des plans ou des choses comme ça. Et c'est surtout à partir de ce moment-là qu'on voit l'aspect général visuel du raid changer. J'en parlerai après. Et donc on arrive à le vaincre. Et le dernier boss est évidemment La reine. Ashara elle-même, reine des Nagas, impératrice de Nazjatar et l'une des plus puissantes entités qu'Azeroth ait jamais portée. Ashara ourdit ses plans depuis des millénaires. Maintenant que toutes les pièces sont en place sur l'échiquier, elle est prête à en révéler la phase finale. C'est ce que je vous disais. Et c'est là où elle va nous apprendre que. Alors déjà, elle ne combat pas elle-même au début. Hein. Non. Il y a une préphase où elle Avec envoie des amoureux ses. maudits. Ou. C'est ça, bah c'est ses servants, quoi. Ouais, elle envoie ses servants. Après, elle intervient elle-même. Et. Qu'est-ce que j'allais Elle est dire? grande quand Et. même. Ouais. Et elle va ensuite siphonner l'énergie des cœurs d'Azeroth pour briser les chaînes qui sont attachées aux piliers ici et là-dedans et gagner le maximum de temps pour que les chaînes soient brisées et que la machinerie Titan puisse briser les chaînes tout Ouais, c'est ça. simplement. Libérer les autres, quoi. Voilà, libérer Nizoth et d'ailleurs si on s'y prend pas assez vite d'ailleurs les machineries Titan surchargent et Nizoth est libéré aussi. Donc dans tous les cas, il faut se dépêcher de la tuer. Voilà, alors avant de passer sur une thématique de fin, juste alors bon, l'aspect général on en a parlé, mais c'est juste le code couleur, parce que plus on descend en fait profondément, plus le rouge est présent. Et le rouge, bah, c'est la couleur de Nizoth aux côtés Ouais. de l'orangé doré, comme on l'a vu au Cauchemar d'Émeraude par exemple. Oui, comme Cauchemar Avec d'Émeraude Goon, enfin ou Goon c'était du rouge aussi, mais c'était un autre dieu très ancien. Mais le Deathwing Deathwing, voilà. Donc le rouge est associé à ça, et comme on l'a vu aussi dans la au Creuset cinématique des de Tempêtes, Prémisse aussi, on l'a vu.
Dans Prémisse Achard, on l'a vu et bien vu, ça aussi. C'était plus les tons jaune-orangé, là. Oui. Mais oui, il y a le rouge-jaune-orangé, voilà, c'est les couleurs de Nisoth, ou des dieux très anciens, en tout cas. Et ça, on le retrouve beaucoup plus on descend, et plus on se rapproche de Nisoth, effectivement. Là-dedans. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que la bannière des Nagas soit rouge. Voilà. Alors, la cinématique de fin. Donc, on a Ashara qui a perdu son combat contre les forces conjointes de l'Alliance et de la Horde, hein, avec là, tous les héros sont là. Et là, elle tombe au sol, elle souffre vraiment, elle a l'air presque incrédule de s'être fait battre. Elle fait crisser les ongles sur le sol et elle peut pas réaliser qu'elle ait été battue. Et Elle qui là, était censée être la plus puissante. c'est ça, avec l'aide de Nisoth en plus. Et là, elle voit, alors qu'elle est au sol, dans le reflet, s'approcher les silhouettes de Lorthe-Marteron et de Jaina, qui la regardent quand même assez précautionneusement et qui avancent. Voilà, Jaina avec un sort et son bâton à la main, Lorthe-Mar prêt à frapper aussi. Ils savent qu'elle est vaincue, mais ils se méfient parce qu'elle est pleine de ressources. Et finalement, elle va s'effondrer, et probablement là, techniquement, elle meurt dans un dernier soupir. Avant de s'effondrer, les deux s'approchent, ils vont mettre un coup de bâton pour. Non, il y avait. Bon, peut-être pas ça. Mais. Et là, la caméra dézoome pour passer sur la machinerie Titan, qui commence à faire un bruit de cliquetis mécanique, ce qui attire l'attention de Jaina, qui a l'air complètement stone. Ouais, ils ont vu leur témoin aussi, il avait l'air complètement Ils ont fumé des algues. Et là, on voit, voilà, le Ashara a pu gagner assez de temps. La machinerie titanique se met en place. Elle se défait. Et là, la couleur passe au rouge, ce Ouais. qui veut dire que Nisa est libérée. Nisoth est libérée. Là, on a une effusion de puissance qui en émane. Les deux réalisent ce qui est en train de se passer, que Nisoth est en train de se libérer. Il y a une onde de choc magique qui balaye la plateforme, qui fait beaucoup de lumière dans la bulle. Et là, les chaînes de Nisoth se. Alors, les piliers passent au rouge au lieu du bleu, et les chaînes de Nisoth Ouais, se brise. se brisent d'elles-mêmes, libérant. Et sombrant dans les abysses, quoique une abysse n'a jamais de fond. Donc. Oui, techniquement. Hein. Et voilà. Et on voit au centre, là, Nisoth qui est réveillé. Alors, vous le voyez là, il y a même le rappel de l'œil avec le Ouais. truc. Et donc, on sait que Nisoth est tout en bas, qu'il est libre. Et là, à ce moment, une immense colonne de fumée noire, comme l'Evry qui avait contact, qui était passé voir Ashara dans la première cinématique, émerge et vont aller frapper. J'aurais dû nettoyer les screens. Vont aller frapper la bulle et pénétrer à l'intérieur. Et là, la vrille se subdivise en trois. À la grande surprise de Jaina et Lorthe-Mar, qui ne s'attendent pas du tout à ça, qui voient déjà Ouais. rouge littéralement tout autour d'eux. Et vont aller saisir la dépouille d'Ashara, presque l'enchaîner, hein, comme si elle était prisonnière. Et les vrilles vont soulever Ashara, qui va être levée en l'air. Et à ce moment-là, elle va Elle s'est reprendre réveillée, ouais. conscience. Elle se réveille et enchaînée, elle va être attirée dans les ténèbres et les profondeurs, comprenant pas trop ce qui lui arrive, ou peut-être co ne comprenant que trop ce qui lui arrive. Et là, la fumée se retire dans un dernier, dans se retire à travers la bulle dans un dernier éclat de lumière. Et elle laisse apparaître dans un dernier faisceau rouge, qui n'est pas sans te rappeler d'ailleurs l'étoile du Panthéon, d'ailleurs, Oui. quand on arrive à vaincre Argus et Sargeras. Vous voyez que là, ce rond, il va vite disparaître. C'est le cercle d'étoiles, c'est le cercle des astres. Voilà, il disparaît, c'est celui-là. Et là, Jaina et Lorthe-Mar sont incrédules, et ils entendent la voix de Nisoth qui dit: tous les yeux seront ouverts. Et là, regardez les yeux des statues sur les côtés. Ils vont passer d'une teinte rouge lumineuse à jusqu'à s'éteindre complètement. Certains yeux se sont ouverts, d'autres se sont fermés. Vous avez toujours les corans maritimes en forme stellaire qui balayent tout autour de la plateforme. Et voilà, la chose finit ainsi. Et là, c'est la merde. Voilà, là c'est la merde. Alors Ouais, là, faut décrypter aussi. parce que là, il y a. Là, ça va être compliqué. Hein. Alors, d'abord, Ashara. C'est la première cinématique, mais la gestuelle d'Ashara. Déjà, là, il y a des parallèles aussi intéressants avec Prémisse et avec la première cinématique. C'est la gestuelle là, elle est plus du tout. Ça rappelle quand elle se transforme en Naga. Il y a un peu où elle est complètement crispée, elle est souffrante, et son physique l'affecte. Alors que dans la première, elle est tout en grâce, tout en confiance. Et là,
Là, elle est vraiment... Excusez-moi. Elle est vraiment incrédule de ce qui est en train de se passer et toute la belle confiance qu'elle a a complètement disparu pour la laisser complètement incrédule. Il y a beaucoup de... Alors, je ne vais pas rentrer dans l'étude symbolique qui est très poussée sur les articles de Oued, je vous y renvoie si ça vous intéresse, mais elle a perdu beaucoup de sa superbe, mais même au sol, elle apparaît quand même dangereuse encore, c'est ça qui est intéressant. L'autre question qui se pose, c'est surtout c'est l'effroi. Parce que c'est la première fois qu'on voit de l'effroi sur le visage Oui, là, elle a d'Ashara de vraiment peur, mémoire, oui. que ce soit dans les livres ou dans les cinématiques. Même dans Prémisse, elle n'a pas une expression comme ça. Non, dans Prémisse, au contraire, L'expression elle de est douleur, courageuse de doute, même. mais elle n'a pas. Là, c'est vraiment la peur qu'on lit sur son visage. Alors, est-ce qu'elle est morte ou pas? Moi, je pense qu'elle est morte et là, Ny'zoth l'a ressuscité et ça fait sens pour après d'ailleurs. Alors, est-ce qu'elle a peur ou alors est-ce que c'est une réaction physique au fait d'avoir été réanimée qui provoque ça? Qu'est-ce qui l'attend? Est-ce qu'elle sait ce qui l'attend? Ça, on va développer après. C'est l'autre question qui se pose. Le lieu et ses implications, c'est tout ce qu'on a dit sur le puits d'éternité tout à l'heure, comment la prison est arrivée là. Là, logiquement, vous voyez que le pilier, quand même, il est bien enfoncé dans la terre, et dans le roc sous-marin. Donc, ça pose pas mal de questions. Et c'est surtout maintenant que Ny'zoth est libéré, il est au contact immédiat de ce qui était le puits d'éternité. On retrouve également le code couleur rouge dont je vous parlais tout à l'heure, et pas qu'un peu. Là, c'est vraiment du rouge. Et le rouge, c'est la couleur la plus aboutie de la corruption de Ny'zoth. Et là, inutile de dire qu'on le retrouve à fond. Il y a la symbolique du cercle et de l'œil qu'on retrouvait là, qu'on retrouve là aussi avec l'œil en plus par-dessus le marché sur Ny'zoth. Il y a le cercle d'étoiles dont je vous parlais. Alors il y a le flux d'étoiles qu'on voyait là qui tournoyait sans cesse autour de la plateforme pendant le combat, mais là il y a vraiment le cercle des astres qui est là. Et le cercle des astres, c'est important là-dessus aussi. On en reparle quand il y a le. Je parlerai des murmures d'Ilginot. Et enfin, on retrouve les symboles titaniques, les runes de constellation, les deux bustes géants et les piliers et les chaînes, comme Uldular, qui indiquent la présence des titans. Ça, c'est les aimants notables. Alors maintenant, on va essayer d'interpréter et poser les questions qui vont bien. La symbolique, tous les yeux seront ouverts. Ça, c'est très intéressant parce que d'ailleurs, c'est la seule ligne de texte de la cinématique. Elle est prononcée par Ny'zoth et dès qu'il le dit, finalement les yeux sont peut-être ouverts, mais ceux-là viennent de se fermer. En tout cas, il le dit juste après avoir réanimé Ashara et dont les yeux se sont rouverts également. Et de quelle manière, puisque c'est assez dramatique. Et ça pourrait préfigurer la renaissance ou la résurrection du reste de l'Empire Noir et de ses membres, qui est un acte fortement suggéré à travers des murmures qu'on a pu entendre par le passé, comme tous ceux qui dormaient seront réveillés, ceux qui étaient noyés s'élèvera. Même régulièrement, quand vous vainquez quand vous arrivez à vaincre des serviteurs de Ny'zoth, voilà, tout indique en fait ils ne meurent pas vraiment, ils retournent dormir, ils vont à Ny'Alotta. Et ça, voilà, c'est un élément qui est à noter. Peut-être que Ashara est partie à Ny'Alotta. Elle est très probablement à D'ailleurs, elle Ny'Alotta est très d'ailleurs. probable, oui. Et qu'elle sera un nouveau boss de raid. Je sais pas si elle sera un boss de raid. Là, je sais pas En tout cas, ce si. qui est sûr, c'est qu'elle est vivante. Donc, Oui, elle est vivante. Mais voilà. on en parlera. Une possibilité, du coup, si on suit le raisonnement extrême, peut-être que Yersage pourrait être un des premiers à revenir, comme ce qui restait de lui, enfin ce qu'on supposait rester de lui, à savoir le puits d'éternité, enfin, son empreinte en tout cas, et aux premières loges. Ça, c'est suggéré par plusieurs indices de son retour dans les quête des îles inexplorées qui sont filées quand vous ramassez certains objets. Quand vous ramassez la masse frétillante, ça nous parle d'une chèvre dotée de trop nombreux yeux gisant dans une flaque d'eau noire. Je vous renvoie l'histoire de Ny'zoth, mais la symbolique de la chèvre est associée à... de Yersage, pardon, je vous renvoie l'histoire de Yersage, et la symbolique de la chèvre est associée à Yersage, dont la tête ressemble quand même à un visage assez caprin. Il y a la pierre sonique également qui, elle, nous ramène auprès des Mantides et dont on apprend que la nouvelle impératrice a lancé un nouvel essaim bien plus tôt et qu'il essaye de trouver de l'Azérite. Et les Mantides sont liés à Ny'zoth, comme vous le savez. À Yersage, comme vous Yersarage le savez. toujours. Hein. Décidément, j'y tiens. Oui, tu le veux, Nisot. Donc là aussi, ça pose des questions intéressantes. Est-ce que Yersage pourrait revenir un jour? Pourquoi pas?
Il y a également la couleur pour symboliser N'Zoth qui est associée à plusieurs reprises au rouge et à l'or dans Warbringer, dans le Cauchemar d'Émeraude ou dans la rencontre avec Zakul, comme je le disais. Et dès que les chaînes dès que les chaînes sont détruites, l'océan rayonne de lumière rouge qui symbolise la liberté de N'Zoth. Et ce n'est que lorsque Ashara est emportée par le portail que le rouge va s'estomper, d'abord au-dessus, puis des piliers, et puis des yeux des titans. Et donc là, ça pourrait signifier cette débauche de rouge et le fait que les yeux aient été fermés sur les éléments du Panthéon, qu'on passe entièrement sous le contrôle de N'Zoth maintenant, qu'on n'est plus protégé par les titans. Et alors que leurs yeux à eux se ferment, notre compréhension de la réalité et de l'ordre s'estompe, et que les yeux de N'Zoth s'ouvrent au début de son règne de folie. Et d'ailleurs, en passant, on retrouve le nuage. Non, pardon, il n'y a pas de en passant. Quoi? Non, je me suis trompé de. Excuse-moi. Pas de soucis. J'avais dit juste avant. Mais voilà. Donc là, la symbolique, ça veut très bien. Alors, il y a toute la symbolique entre bah, les titans ne peuvent plus nous aider. Il y a le fait que N'Zoth soit en pleine possession de ses moyens et ses Oui. pouvoirs maintenant. Mais après tout, on n'en a jamais assez. Et il y a également le fait que voilà, tous les yeux vont s'ouvrir. Ça peut vouloir dire qu'il y a un nombre innombrable d'horreurs qui a été tué ou qui était endormi depuis des millénaires, qui vont être soit réveillés, soit ramenés à la vie. Et ça augure pas vraiment du meilleur pour Azeroth. C'est le premier dieu très ancien à être libéré, Oui. techniquement. Oui, Parce que les le seul autres. même. Oui, c'est le seul. Parce que K'Toon, il était encore emprisonné quand on l'a affronté. Et Tous, Yogg-Saront. c'était au dernier moment. Oui, c'est ça, c'était au dernier moment, Même avant qu'il. Goon. Même Goon, ouais. Alors que là, c'est vraiment le seul qui est libéré, libéré, quoi. Ouais. Complètement. Libéré, délivré. Et on se rappelle qu'il a été emprisonné avec la force des armées titaniques, qui sont quand même assez puissantes. Ouais. Donc c'est pas nous avec notre cure-dent qui Et c'est ça. on Et qu'il était bien moins puissant à l'époque, et qui était peut-être. bien moins puissant sûrement à l'époque. Qui s'est fait de nouveaux alliés, oui. C'est ça. Là, cette cinématique nous rappelle également les murmures d'Ilginot, Ouais. les prophéties On d'Ilginot. en parlait beaucoup à Légion, ça justement, de Ouais. savoir qu'est-ce que ça. Bon, il y en a. C'était très très intelligemment amené du coup. Oui, alors là, il y en a six que j'ai relevés et qui du coup trouvent un écho particulier aujourd'hui. Alors, le roi de carreau n'est plus que valet. Donc ça, je l'explique au début. C'est Magni, ou The King of Diamonds has been made a pawn. C'est Magni qui finalement s'est fait manipuler par Ashera pour créer les cœurs d'Azeroth et pour se servir des cœurs d'Azeroth pour libérer N'Zoth. Il y avait Il puise sa force dans la terre, notre force. Ça, c'est N'Zoth. Qui, grâce à l'Azérite, est libéré, et même qui s'étend, comme on l'a vu au creuset des tempêtes, qui s'étend sous la terre. Et notre terre, notre force, ça renvoie au fait que finalement les forces des dieux très anciens considèrent qu'Azeroth leur appartient. Pour le trouver, plongez-vous dans le cercle des astres. Bon, ça, je pense qu'on l'a vu. On Hein, vient de le c'est... voir, c'est le. Alors, Ouais, tiens, ça. ben là, Ashara a disparu par là, et le cercle des astres a disparu juste après. Donc, c'est le cercle des astres, c'est le portail qui mène ou directement à N'Zoth ou à Nyalotha. Son cœur est un gouffre que nous avons comblé. Cœur d'Azeroth. Ouais. Et un gouffre sans fond qui a servi à libérer N'Zoth de sa prison. Celui-là, c'est à l'heure de sa troisième mort, elle accueille. No, pardon. À l'heure de sa troisième mort, elle accueille notre arrivée. Bon, ça, c'est Ashara, je vais en parler après. Oui, c'est quand Ashara meurt, du coup, ça Voilà. accueille l'arrivée Voilà. de. Mais ça, je pensais pas que ça aurait été Ashara, tu vois. Ouais, c'est Sylvanas ou Aleria ou d'autres, Ouais, c'est ça. ou Jaina ou Azeroth elle-même, mais Ouais. voilà. Et enfin, la surface étincelante cache les ombres qui rôdent, à la fois la surface de la mer qui cache N'Zoth en dessous, et à la fois c'est l'immense éclat qu'on a vu juste là qui Oui. cache les ombres du dieu très ancien juste en dessous. Alors maintenant, voilà, essayons de voir le développement de tout ça, les suites que ça peut impliquer. Alors, quid d'Ashara déjà, ça c'est. Alors, avec sa mort, là, dans le palais éternel, Ashara est morte trois fois et accomplit donc la prophétie d'Ilginot. La première fois, elle meurt pendant la Grande Fracture, quand les vagues se sont abattues, qui emportent son empire à la mer. La seconde mort, c'est quand elle passe en accord avec N'Zoth et que son corps d'elfe est détruit et renaît sous forme de naga. Et la troisième mort, c'est à la fin du raid du palais éternel. Et dans les trois situations, elle va perdre conscience et elle subit une certaine forme de mort et de renaissance. Et alors là, peut-être qu'Ashara a atteint son but en manipulant l'Alliance et la Horde pour libérer N'Zoth. Maintenant que le dieu très ancien est relevé une fois de plus, il est prêt à reprendre le contrôle et il n'est plus le dieu de rien du tout qui a besoin de l'aide d'Ashara. Et peut-être qu'Ashara n'était destiné qu'à faire revenir l'Empire C'était un Noir. pion. Voilà, c'est un pion et cet empire ne comprend pas Ashara.
La troisième mort d'Ashara signe le retour de l'Empire Noir, va certainement façonner le destin d'Azeroth, et elle s'accorde parfaitement avec une autre citation de Nisot tirée de la 8.1.5 qui semble confirmer qu'on parle bien d'Ashara quand on dit à l'heure de sa troisième mort, gna gna gna, c'est elle vous montrera le chemin, viens, viens, l'heure approche où tous les yeux doivent être ouverts. Voilà, elle, ça peut être qu'Ashara, là. Et Ashara nous a attirés dans Najatar, nous menant directement au cercle des astres, comme on vient de le voir. L'autre point à relever sur Ashara, c'est après qu'elle a été prise par les vrais Nisot, ses yeux s'ouvrent et on entend un bruit bizarre et elle est aspirée dans le vide. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a l'expression. L'expression qui est une expression de peur qu'on n'a jamais vue auparavant, même lorsqu'elle s'est noyée dans la Grande Mer. Il semble que ce qu'elle a en tête est quand même. Qui est pas de mourir, hein, sinon ça aurait pas d'intérêt, elle va pas mourir. Et là, visiblement, elle sait ce qui va lui arriver et ça l'effraie. À moins que ce soit une réaction physique au retour à la vie après un passage trop. Après un passage dans les Shadowlands, Je pense que ça peut-être lui que. fait vraiment peur. Moi, Plus. je pense que ça, plus que le fait d'avoir été dans les Shadowlands, d'en être revenu terrifié comme Sylvanas par exemple, peut-être que voilà, elle sait ce qui va lui arriver et elle a peur. Mais bon, c'est pas encore confirmé. On peut deviner que ce que ça signifie pour elle d'être aspirée dans le vide, dans les ténèbres et dans les abysses. Peut-être qu'elle va d'ailleurs prendre, ça c'était une théorie qu'on avait évoquée, l'ancienne position de Xal'Atat, en étant piégée dans la lame de l'Empire Noir. C'est la lame qu'on a apportée à Nazjatar, que Nisot voulait clairement récupérer pour en faire quelque chose et sûrement pas un GPS. Et certaines rumeurs d'ailleurs pensaient que dans le poignard, à la base, Xal'Atat était ce qui restait d'un dieu très ancien qui avait été oublié et enfermé par les quatre autres Quatre autres, ouais. dans la dague. Et si Ashara a entendu ces rumeurs, peut-être que ses craintes sont justifiées, c'est-à-dire qu'elle va être enfermée pour l'éternité dans une lame. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui est arrivé de Nathanos et de la lame. Est-ce qu'il l'a laissée à Nisot maintenant qu'il a rempli son rôle? Est-ce que Damage Vayne a encouragé Sylvanas à écouter la lame de l'Empire Noir en espérant attirer la horde d'Anas Jatar pour réaliser le plan d'Ashara? Ça, on ne sait pas non plus. Et ça soulève d'autres questions. De quel côté est vraiment Sylvanas? Est-ce qu'elle travaillait avec Nisot en nous livrant à la reine Ashara, ou est-ce que ça fait partie de son plan plus global dont on ne sait pas ce qu'il est exactement? Est-ce qu'il fallait libérer Nisot pour le vaincre ou j'en sais rien, tu vois. Autre point. Attends, je bois un Ce coup. qui est sûr en tout cas, c'est que toute cette histoire, on en verra le bout l'année prochaine. Oh, peut-être non, à l'automne. Ah, tu penses? Bon, on aura les premiers indices pour. On aura de premiers indices, Oui. mais on verra la fin, je Ah pense, oui, l'année non, oui, c'est l'année prochaine. prochaine, oui, en janvier. Oui, c'est ça. Alors, pour mieux comprendre pourquoi Nisot et Ashara, qui sont apparemment alliés, pourraient se retourner l'un contre l'autre, faut voir comment leur relation évoluait aussi. Et comme elle a été décrite à la fois dans Warbringer et dans Welcome to Nazjatar. Alors, depuis que Ashara a été présentée, il y a des tensions sous-jacentes entre Nisot et elle. Alors, est-ce qu'ils travaillent ensemble ou l'un contre l'autre? Et qui a exactement l'avantage? La trahison semble inévitable parce que tous les deux semblent considérer qu'ils ne sont redevables à personne. Et pour cause. Ah bah. Nisot, lui d'ailleurs, teste activement notre force dans le creuset des tempêtes et décidant pour décider si on est assez puissant pour très logiquement, enfin, on peut le penser très logiquement pour affronter Ashara ou pas. Et avec le talent évident de Nisot pour la subversion et la manipulation, Ashara pourrait être un pion aussi involontaire que nous l'avons été s'il décide qu'elle ne lui est plus d'utile du tout, ou alors si elle menace ses plans pour éveiller l'Empire Noir. Et du coup, l'ambition et la soif de pouvoir d'Ashara pourraient avoir signé sa perte. Et elle est peut-être une reine puissante, mais comme le soulignait très justement Oued, le roi est la pièce la plus importante dans une partie d'échecs. C'est vrai. Ou peut-être que finalement elle n'est pas éliminée, elle va être peut-être que comme Gul'dan, il va s'en servir comme d'une énergie, d'un vaisseau, d'un vecteur, d'une clé, je ne sais pas quoi, mais Ashara va avoir une utilité, mais pas activement, mais passivement. Sinon, il l'aurait laissé mourir. Oui. Cependant, quand la fumée apparaît dans la cinématique du Palais Éternel, elle est agressive, elle est sinistre, comme vous l'avez vu sur les screens. Elle s'enroule autour d'Ashara comme des chaînes. Et on voit que là, la dynamique du pouvoir par rapport à la cinématique d'avant s'est déplacée. Et alors qu'Ashara s'effondre sur le sol et que la fumée arrive de partout pour la saisir et lui ouvrir les yeux, elle sait que là, elle va être arrachée à son palais et à son royaume qu'elle avait bâti depuis 10 millénaires. Et est-ce que Nisot aura enfin l'avantage ou est-ce qu'il est. Et est-ce qu'il est content qu'on ait réussi son test?
qu'on lui ait montré qu'on était assez digne pour maîtriser Ashara. Et qu'est-ce que ça signifie pour Ashara elle-même au final? Ça, on ne le saura pas avant un bon moment. Autre question qui se pose, c'est qui sera le boss final? Je vous rappelle, Azzy Costas a dit qu'après cette cinématique, on saurait qui serait le prochain, le dernier Le boss boss de la 8.3, d'extension. le boss de la 8.3, Mais quoi. alors, est-ce que c'est si évident? Ou Pitpoint 4 d'ailleurs, peut-être. Ou 8.4, ouais. A priori, ça serait la On n'est 8.3, je jamais pense. allé jusqu'à 4 récemment. Non, pas récemment. Depuis. Légion, c'est 7.3. Mist of Pandaria, c'était. Je crois que c'était 6 points. C'était 1.4. Bon, peu importe. Ok. La cinématique montre Nizzoth en train de se libérer et il est probable et le probable retour de l'Empire Noir. Et on est laissé sur une note qui est carrément ouverte hein, là-dessus. Nizzoth ne s'est pas révélé pleinement et il n'y a pas genre un grand cataclysme qui a plongé Azeroth dans les ténèbres avec un ciel d'encre, des éclairs et des tempêtes partout. Non, là, semble-t-il, Nizzoth attend son heure et attend quelque chose pour frapper, pour se manifester beaucoup plus Est-ce que directement. sinon il aurait pris Jaina et Lorthe Martheron en même temps? Ouais. En plus, qui Non, change rien du tout pour eux, lui, en plus. Donc, il prépare quelque chose, mais c'était quoi? Ça, sûr. c'est la question. Wade spéculait aussi sur le fait que précédemment, BFA. Wade avait fait une série d'articles pour dire, dont le propos de l'un était de dire que chacun des Warbringers ou des Prémices, à savoir Jaina, Sylvanas et Azshara, aurait un patch dédié. Jaina, on l'a affronté à la bataille de Oui. Lazar'alor dans la 8.1.5. Ashara, on l'a affronté à la 8.2 dans le Palais Éternel. Et il paraît logique, et ça le paraissait avant, et ça le paraît encore plus maintenant, que finalement, Sylvanas, elle aussi, soit un boss de raid pour un futur patch, probablement le 8.2.5. Ça c'était Ce qui serait terrible. ce qui serait très bien. Et donc, on aurait un patch avec Sylvanas en dernier boss. Alors. Tous les signes indiquent déjà que Sylvanas deviendrait le boss d'un futur patch. Enfin, ça serait pas déconnant. Oui, il faudrait pas la tuer. Voilà. Alors, et en même temps, les deux autres Warbringers ne sont pas morts. Hein. Jaina Oui, c'est vrai. et C'est vrai. Azshara sont toujours en vie. Et un patch centré pour Sylvanas pourrait servir à mieux connaître le personnage, mieux expliquer ses motivations et son plan, comme par exemple on l'a eu sur Jaina avant, au début de BFA, avec tout ce qu'il y a eu autour. Même comme on a appris à mieux découvrir Azshara, là aussi. Donc ça nous permettrait de mieux faire connaissance avec Ishara, Sylvanas. avec Sylvanas voilà, avec Sylvanas. Et comprendre mieux certaines de ses actions, on ne peut plus douteuses. Et dernière question pour le boss final, est-ce que si tout ça est trop tiré par les cheveux, est-ce que finalement si on se prend trop la tête et que c'est Yon Azikostas qui n'y voyait pas malice et voulait juste dire que ça serait Nizzoth, est-ce que c'est pas juste l'option la plus claire qui est de mise, et est-ce que c'est pas le choix le plus évident que Nizzoth soit dernier boss? Ce qui cependant n'exclurait pas l'implication des trois Warbringers que sont Azshara, Sylvanas et Jaina dans le raid final, surtout maintenant qu'on sait que Nizzoth a capturé Azshara. L'histoire de Sylvanas culminera peut-être à la 8.2.5 dans un affrontement dramatique entre elle et ses alliés, entre Jaina et Thrall qui sont de nouveau coalisés et où Sylvanas s'échapperait pour poursuivre sa quête de maîtriser directement la mort, peut-être directement dans le royaume de la mort lui-même qui serait les Shadowlands. Donc une dernière rencontre contre Nizzoth pourrait également culminer avec une attaque des trois Warbringers contre le dieu très ancien, chacune pour leur propre raison, et là qui sait qui pourrait prendre le dessus. C'est ce que je m'étais dit en fait. Je m'étais dit que Jaina, Ashara et Sylvanas ensemble affrontent Nizzoth, tu vois. Ce serait incroyable. Ce serait Ça serait incroyable. bien. Ce serait incroyable déjà que Ashara soit de notre côté. Oui, Ce ce serait marrant. serait hyper drôle. Parce que comment on la gère après? Ouais. En fait, si elle ne meurt pas, Ashara, pour moi, je ne sais pas comment on la gère. Bah, elle est enfermée dans la lame et c'est Sylvanas qui la porte. Ah oui, ça se tient. Et elle poignarde Nizzoth avec au milieu de l'œil. Comme Ulysse avec le Cyclope. Oui. Alors, quel avenir du coup? Alors, si Nizzoth nous ouvrait les yeux sur son monde, sur notre réalité serait remise en question, car du coup on tomberait dans sa réalité qui est le monde des rêves. Peut-être et probablement, très probablement, irons-nous à Nyalotha, les yeux ouverts sur le cadeau de Nizzoth, et quand cela arrivera, tous les chemins s'ouvriront et tous les rêves deviendront réalité. Car comme on le sait, les dieux très anciens et leurs serviteurs parlent souvent à travers des chuchotements et des rêves, les utilisant pour attirer les autres à leur service, les rendant souvent complètement fous au passage, comme cela a été le cas avec Deathwing, par Oui, exemple. bien sûr.
Nyalota fait l'objet, elle, de plusieurs murmures, comme on en a parlé depuis quelques extensions. C'est toujours une ville endormie, d'une horreur indescriptible, où règne un sommeil éternel. D'ailleurs, je vous rappelle que dans le, pour les fans d'Antiquité ou de Saint Seiya, la mort est le frère du sommeil dans la mythologie grecque. Hypnos et Thanatos, donc c'est très lié. Et Nyalota, donc, qui on retrouvera très probablement, alors c'est pas Nyalota que vous voyez là, par exemple, on pouvait lire sur la ville en jeu. Au pays de Nyalota, il n'y a que le sommeil. Dans la ville endormie de Nyalota, ne marchez que sur des, vous ne marchez que sur des choses folles. Nyalota est une ville de crimes anciens, terribles et innombrables. Donc ça met déjà dans l'ambiance. Moi j'attends vraiment un truc très mature à Lovecraftien de ce truc et j'espère qu'on l'aura. Bah, Même si c'est j'espère. du PEGI 12. C'est du PEGI 12, oui. Ouais. J'espère en tout cas qu'on l'aura. En tout cas, j'espère qu'on aura au moins Un truc aussi un truc qui terrifiant. ressemble, ouais, un truc qui ressemble à ça, quoi. En tout cas, depuis le début de. Depuis les prémices, on sait que le but de Nisot, c'est de restaurer l'Empire Noir. Ça, il est très clair là-dessus. Et le royaume. Et de ramener ce royaume qui avait consumé tout Azeroth avant que les titans n'arrivent. Nyalota est une ville qui est associée au sommeil, communément utilisée comme métaphore de la mort à travers les murmures des dieux très anciens, et ça implique que ses habitants peuvent être tous des serviteurs emprisonnés ou morts qui sont tombés dans la guerre avec les titans. Et donc, elle peut être la clé centrale pour restaurer l'Empire Noir aussi, parce que si la ville se réveille avec tous ses habitants, ça présage rien de bon là-dessus non plus. Que les gens soient physiquement présents ou que leur esprit aille à Nyalota une fois qu'ils ont meurt. Et plusieurs serviteurs du vide, je vous le disais tout à l'heure, affirment qu'ils retournent à Nyalota quand ils meurent. Les plans de Nisot pour amener l'Empire Noir pourraient utiliser la puissance brute du puits d'éternité, comme on l'évoquait, puisque je vous le rappelle, c'est quand même le cœur de la magie et de la puissance naturelle du monde, et ça permettrait d'éveiller ou de donner corps aux réalités à tous ces rêves mensongers, avec une fin de patch qui serait « Ah ben finalement, on a rêvé !» Et peut-être que le puits d'éternité est même un conduit vers un autre royaume, car il puise directement ses énergies depuis la ténèbre de l'au-delà, qui est l'équivalent du cosmos dans l'univers de Warcraft. Donc ça pourrait également très facilement faciliter le retour de l'Empire Noir et de ramener Nyalota soit à la surface, soit de la rendre un peu plus praticable. De toute façon, je pense pas qu'on va aller sous l'eau encore. Hein. Non. C'est Y a gameplay. peu de chance. Parlant de gameplay, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Nisot, lui, joue avec les contraintes de la mort, peut-être en trafiquant les terres de l'ombre, par exemple. Ça, et du coup, ça nous rappellerait une autre figure centrale qui est de Battle for Azeroth, qui est obsédée par la maîtrise de la mort, On qui a a des oreilles toujours, pointues. ouais, on a toujours laissé d'ailleurs notre intrigue avec Oui, en plus, il y a ça. Donc, Vol'jin Sylvanas, je vous renvoie à l'épisode sur la mort de Warcraft, d'ailleurs, si vous voulez voir tout ça. et. Les motivations de Sylvanas ont toujours été floues. Elle fait toujours allusion à une issue plus large qu'une simple guerre entre les factions. Et là, dans le patch, ce patch-là, elle a bah, plus un peu sa main, elle dévoile un peu plus son jeu. Alors, est-ce qu'on peut spéculer que son but ultime est de maîtriser la mort, de se sauver d'une éternité de tourments qu'elle avait connue dans les Terres de l'Ombre? Ça, c'est, enfin, on le sait. Elle veut échapper, elle ne veut absolument pas retourner dans les Terres de l'Ombre parce qu'elle a vu la terrifier. C'est pour ça qu'elle passe le pacte avec les Valkyries, Sylvanas. Et c'est ce qu'elle avait connu après s'être suicidée du haut de la citadelle de la Le couronne de ciel glace. sur le pic de Saronite. Voilà. À moins que la vision qu'elle a eue des Shadowlands était une fausse vision. Elle s'est quand même empalée sur des pics de Saronite qui sont faits avec du sang d'un dieu très ancien. Donc c'est possible qu'elle aussi soit manipulée dès le début et soit un pion des dieux très anciens parce qu'elle aurait eu une fausse vision dès l'origine. Ça va être incroyable. Et alors quoi qu'il en soit, en tout cas, Nisot et Sylvanas, eux, pourraient s'affronter de plus d'une façon, non seulement pour Azeroth, mais aussi pour pouvoir manipuler la mort elle-même. Et c'est peut-être du coup le match retour d'un match aller qui n'a jamais eu lieu entre Arthas et Yogg-Saron, qu'on n'avait pas vu à l'époque, malheureusement. C'est vrai. Et pour en revenir à la question de savoir qui est le dernier boss, pardon, il peut très bien que ce soit Nisot, car le sort de Sylvanas et des autres Warbringers est lié avec les machinations des dieux très anciens. Donc ça ferait plus sens que Nisot soit le dernier boss. En tout cas, Nisot est libre maintenant, le chemin vers Nyalota semble ouvert, et l'Empire Noir, a priori, va s'élever à nouveau. Avec un Ça, c'est sûr. panthéon qui est emprisonné pour très longtemps et très très loin, qui pourra pas le vaincre une seconde fois. En nous montrant dignes de son don, nous sommes donc devenus les invités d'honneur de Nisot, des rêveurs dans un nouveau monde de chaos et de peur. C'est ce que disait Oued dans la conclusion de son article. Et ben Ils on font part. toujours des très beaux articles, Ouais. hein, Oued, hein, d'ailleurs. En conclusion du coup, donc le patch 8.2 est quand même assez intéressant, mais quand même très frustrant parce qu'il apporte
quelques réponses, mais soulève, mine de rien, beaucoup plus de questions que ce qu'on avait au début. C'est exactement, il y a plus de questions que de réponses pour le coup, et pas des réponses sur les sujets qu'on aurait pu attendre. C'est ça. Et ne serait-ce que, juste sur le sujet d'Ashara, elle est frustrante, sans parler du reste. En tout cas, il y a quand même un point positif, c'est que Ashara n'a pas été tuée au bout du patch. Oui. Voilà. Ça, la crainte, c'était que finalement, depuis des années, elle est là, elle a des millénaires, elle a le pédigré que vous savez, finalement, elle meurt au bout du raid. Non, là, elle est vivante et ça fait du bien de D'un savoir que patch, quoi. finalement, ouais, qu'on l'a pas tuée en un patch. Najatar, les ruines de l'Ezinachary de manière générale, et de manière générale, les Naga, moi, comme je vous le disais, ça me semblait pas à la hauteur de l'enjeu. Moi non plus. Et c'est dommage. Après, bon, peut-être que ça ira mieux au prochain patch. J'espère en tout cas. La 8.2.5 et la 8.3 devraient nous surprendre et enfin amener les réponses qu'on attend cet automne et au début de l'année prochaine. Bah, ce qui est sûr, c'est que moi j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de la suite de la. Comment ils appellent ça? La campagne de guerre? C'est ça? Je crois, les quêtes. Ouais, ça, c'est la campagne de guerre. Hein. J'attends beaucoup de la campagne de guerre en tout cas. C'est l'intrigue qui m'intrigue le plus, du coup, C'est finalement. intriguant. Exactement. Donc on verra bien de quoi tout ça sera fait. Ouais. Voilà, donc bah, si vous avez des idées, d'autres spéculations, n'hésitez pas à les partager en tout cas. Alors, c'était Bien un peu sûr. dense, hein, ça fait 2 heures de spéculation et de théorie. Mais Mais il y en a voilà, beaucoup. il y avait beaucoup. Bah, il y avait déjà les vidéos à décrypter, et après il y Clairement. avait tout ce que. Donc on a eu un épisode double. Ouais, c'est un peu un double épisode, double bonheur pour vous sur Ashara et donc ce patch 8.2. 2, c'est ça, 8.2. N'hésitez pas en tout cas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous, ce que votre avis sur le 8.2 aussi. Hein, parce que finalement, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous vous posez d'autres questions qu'on n'aurait peut-être pas soulevées? Est-ce que vous voyez d'autres réponses qu'on n'aurait pas trouvées? Exactement. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, ça me se fera un plaisir de les lire moi aussi. Et d'y Et voilà, répondre. et d'y répondre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? Bah, c'est tout. C'est tout, C'est tout ce oui. que j'avais à dire pour le moment. Très bien. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos, bien D'accord. entendu. La semaine prochaine ou pas, je sais plus. La semaine prochaine, je pourrais pas. D'accord. Bon, Ouais. alors on se retrouve à la rentrée. Exactement. Une fois que je reviens du Japon. Et... Allez, ciao, ciao. Très bien que tu vas à Nasjatar. Je suis fan, j'attends. Tu vas payer où on aime les poulpes. Je vais à Nialota. Nialota.